Je voudrais savoir qui est Jésus pour vous. Ok, Jésus, pour nous, il est tout. C'est l'incarnation même de Dieu. C'est Dieu qui s'est incarné. Il est venu sur la terre comme un homme. C'est ça, Jésus. Et ce que vous avez dit là, c'est écrit. Il y a beaucoup de versets, dans la Bible qui parlent de ça, parmi lesquels je peux te donner, par exemple, Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens. Attends, tu sais, la Bible, Et c'est... c'est écrit noir sur blanc là-bas que c'est l'incarnation en personne de Jésus-Christ sur la terre. C'est écrit noir sur blanc là. Qu'est-ce que tu appelles noir sur blanc? Écrit noir sur blanc, ça veut dire quoi? Le mot incarnation, là, il y a le mot incarnation dans ce que vous avez donné comme verset là. Non, attends, attends, sois calme. Lorsque tu dis écrit noir sur blanc, tu fais référence à quoi? Alors, puisque tu sais, nous parlons seulement sur... Et j'ai donné ce verset-là expressement. Expressement. Ah. Non, ce que vous avez dit là, moi je n'ai jamais lu ça quelque part. L'incarnation dont vous avez parlé Tu là, as ça c'est dit... la philosophie. Moi je dis Attends, attends. le mot incarnation dans la Bible. Attends, toi tu dis que tu n'as jamais lu, hein? C'est ce que tu as dit. Le Hein? mot incarnation là. Oui. Mais tu as dit que tu n'as jamais lu ça. Mais avec moi, tu Le vas... mot incarnation de Dieu en personne de Jésus, vous n'avez jamais vu ça dans la Bible. Mais tu verras, il y a des choses que tu n'as jamais vues. Tu vas voir avec moi. Hein? Il faut me montrer ça. Tu n'as jamais vu? Et avec moi, tu vas... Mot incarnation. Avec moi, tu vas voir beaucoup de choses que tu n'as jamais vues. Et c'est ce qui va te permettre Ok. même, c'est ce qui va même te permettre de quitter l'islam. C'est ce Je que... suis monsieur à l'écoute. Hein? Tu as l'écoute. Hein? Oui. Oui. Je vais te donner tous les versets de la Bible. Puisque la Bible est dans mon sang. La Bible est dans mon sang. Hein? Je suis là pour enseigner là, puisque les gens ne se connaissent pas la vérité. Pourquoi? Puisque pendant beaucoup... Pendant... Pendant beaucoup... Hein? Pendant beaucoup d'années, les gens ne prêchaient pas. Alors, c'est ce qui a fait que les gens ne connaissaient pas la vraie nature. Hein? Tu as dit que tu as dit que tu n'as jamais vu le mot incarnation dans la Bible. Non, je vais te montrer ça aujourd'hui. D'abord, Vous donnez-moi le bon, je ne sais pas, puisque on fait l'émission en audio. On n'a pas de versets qu'on a. Puis si c'était par exemple dans ce qu'on appelle une donc en vidéo, je montrerai ça. Puisque je suis là pour te Non, montrer. et tu peux me donner le verset là-bas, même j'ai la Bible en face de moi ici. Non, écoutez, puisque nous lisons là. Ah, ok. Je vais te donner une écriture. Une écriture. Je vais même t'envoyer ça. Je vais t'envoyer ça sur WhatsApp, le verset là que tu vas voir, pour voir que ça, on parle d'incarnation ici. Je vais te montrer, c'est dans la Bible, Colossiens au chapitre 2, au verset 9. Il est parlé de l'incarnation dans Colossiens au chapitre 2, verset 9. Hein? Le verset dit ceci. Je suis dans la Bible, Colossiens chapitre 2, au verset 9. On dit ceci. Il dit ceci. Car
car c'est en lui, hein, en Christ, hein, c'est en Christ que la plénitude de Dieu habite incarnée. Incarnée. En lui, vous êtes du complet. Donc, dans la Bible ici, on dit que la nature de la plénitude de Dieu, ça se trouve incarné. Lorsqu'on parle de l'incarné, cela veut dire que c'est la nature de Dieu qui est rendue dans la chair. Lorsqu'on dit habiter corporellement, c'est dans le corps. Le corps, c'est cela. C'est ça l'incarnation. Le verset dont vous êtes en train de citer là. Oui. Ce que vous êtes en train de lire est différent de ce qui est chez moi ici. Là. Écoutez, moi, j'ai... Il a dit Colossiens 2, verset 9, non? Oui. Alors, il dit qu'on habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Oui, oui, oui. Oui. C'est la même chose que j'ai lu. Ouais. Où est le mot incarnation dedans? Le corps, là, c'est quoi? C'est ça l'incarnation. C'est ça que je ne veux pas d'interprétation. Attends. Quand il dit, moi, je suis pas, il n'y a pas le mot incarnation dans la Bible. Et tu as dit qu'il y en existe. Non, non, tu non. Peux me montrer ça. Voilà ce que tu m'as donné. Je n'ai pas vu incarnation là-bas. C'est toi qui interprète à ta manière. Non, attends. Tu vois, moi, je suis en train de lire la Bible en grec. Puisque la Bible est venue en grec, n'est-ce pas? C'est faux. Faux quoi? Comment c'est pas faux? Jésus, il est un grec ou bien un hébreu? Le mot Injil dans le Coran, c'est dans quelle langue? Je demande une chose. Moi, je pose une question, il faut répondre d'abord. Non, non. Est-ce que Jésus-Christ, il est hébreu ou bien il est grec? Ah, mais pourquoi est-ce que le Coran dit qu'il prêchait l'Injil? Or, Injil, c'est en grec. Ce que moi, il faut me répondre. Je passe de la personne de Jésus même. Il est grec ou bien il est hébreu. Il est hébreu. Il est hébreu. Donc, c'est en sa langue qu'on a relevé l'évangile. Quelle langue? Quelle langue? Donc, il ne peut pas être hébreu et on va le faire une révélation en grec. Là, c'est archi fou. Ah, mais maintenant, comment est-ce que Mohamed lui dit que Jésus prêchait l'Injil? Injil, c'est un mot grec. Il faut laisser Mohamed. On n'a pas touché Mohamed. Non, non, tu es... Il a une parole grecque. Et j'ai dit que Jésus ne parlait pas grec. C'est un hébreu. La langue qu'il parlait, c'est la langue hébraïque. Non, la langue grecque. C'est ce que moi, je suis en train de rectifier de ce niveau-là. Je vais te montrer quelque chose. Tu vois, lorsque Jésus était mort à la croix, on avait écrit en grec. Écoute, la Bible dit ceci. On avait parlé en grec, en latin et en hébreu. On utilisait les trois langues en Israël à l'époque de Jésus. C'est écrit dans la Bible. Et lui, la personne de Jésus, lui-même, il a utilisé quelle langue? Mais lui, en tant que Dieu, il peut parler toutes les langues. Jésus parlait toutes les langues. Il pouvait parler. Est-ce que vous connaissez Adja là? Il parlait Adja aussi là. Tu dis? Il parlait Adja là. Adja, la langue Adja là. En langue quoi? Ah, tu ne connais même pas la langue. Donc, tu dis qu'il parlait en toutes les langues. Non, j'ai dit donc, c'est... La langue de ce nom-là, c'est ça qu'on appelle l'Aja. Écoute. Est-ce que Jésus nous parle à l'Aja? Écoutez, je te dis ceci. Lui, Jésus, attends. C'est pas vrai. Attends, Jésus, en tant que Dieu, en tant que Dieu, il connaît toutes choses. Il pouvait parler n'importe quelle langue? Est-ce que tu dis qu'il n'a pas toutes les langues? Oui. Il connaissait. Il a parlé toutes les langues. Je dis ceci. En tant que Dieu, il pouvait parler français, il pouvait parler espagnol, il pouvait parler japonais. Toutes les langues, Jésus peut parler. D'accord. Puisqu'il il connaît toutes choses. On savait qu'il pouvait parler, il pouvait parler, il pouvait parler. C'est toi qui soupçonne ça. On n'a jamais écrit qu'il est Dieu, il pouvait parler. Mais n'a jamais écrit, c'est pas écrit quelque part. Est-ce... Si tu as les références, maintenant, du moins, il peut parler toutes les langues, ça, c'est pas notre problème. La révélation lui a été faite en quelle langue? Lui, il a fait la révélation là, en quelle langue? Lui-même, il a parlé quelle langue? Parmi tant de langues, là, il a parlé quelle langue? C'est ça que l'on veut. Oh, attends, je t'ai parlé.
Tu sais, Jésus, lorsqu'il était dans son ministère, il a parlé beaucoup de langues. Il y avait même un moment où la Bible dit qu'il a parlé quelque chose. Les gens se demandaient qu'est-ce dire. Même les Juifs qui étaient à ses côtés, des fois, ils ne pouvaient pas comprendre la langue que Jésus parlait. Même lorsqu'il était en train de dire « Ephata », il avait dit un mot dans la Bible, il avait dit « Ephata ». « Ephata », c'est écrit dans la Bible. Et la Bible dit ceci. L'évangile de Jésus-Christ, ma question, tu as en train de dépasser ma question déjà. L'évangile de Jésus-Christ a été écrit en toutes les langues, hébraïque ou grecque. Oh, c'est ce que moi, tu as amené ce que tu as là. Moi, je sais que c'est en hébreu, pas que c'est en grec. C'est en grec, c'était écrit en grec. C'est en grec, oui. Il est grec. Hein? Non, il est grec. Non, Jésus, lui, il est Dieu. Il est Dieu. Donc, cela veut dire qu'il est le Dieu de toute la terre. Toute la terre. Mais, il est grec ou bien il est hébreu. Non, j'ai dit ceci. Jésus est Dieu de toute la terre, mais en tant qu'un humain, il est né chez les Juifs, puisqu'il a porté un corps chez les Juifs. Et c'est pour cela que Jésus était même venu en Afrique. Il est venu en Afrique. Le ministère de Jésus, comme Jésus était en Afrique, il pouvait parler nos langues africaines. Tu comprends? Il a parcouru quel pays là? Il était en Afrique. Jésus était en Afrique. Je ne refuse pas. Il a parcouru quel pays? Il a parcouru tous les pays de l'Afrique. Pas tous les pays de l'Afrique, mais Jésus était en Afrique. Ah, il a parcouru quel pays? Vous me citez le pays dont il a parcouru. Et il était en Égypte. Jésus était en Égypte. Ah bon? Oui. Après ça, là. Hein? Jésus était en Égypte. Il était en Égypte. D'ailleurs. Maintenant, où est le mot incarnation là? Il faut remonter le mot incarnation là. C'est ce que je te lis. Colossiens chapitre 2 au verset 9, on dit. Et moi, je vais dire que je n'ai pas vu incarnation là-bas. Écoutez, moi, je te lis la Bible en grec. En face de moi, voilà, dit, attends. Car en lui habite corporellement l'étude de la divinité. Oui. C'est en grec. Tu as la version grecque? Je n'ai pas étudié grec, non. Moi, je ne suis pas grec. Moi, je veux qu'il me pose une question en grec. Ok. Maintenant, si tu n'as pas étudié le grec, il faut te taire. Il faut le demander. C'est pour cela que Allah vous a dit, si vous ne comprenez pas les Écritures, venez chez les chrétiens. Non. Est-ce que la Bible est seulement pour les Grecs? Non. Est-ce qu'il est venu seulement pour les Grecs? Non, il est venu pour l'humanité. Ah, pourquoi tu dis de ce terme? Oui, puisque... Est-ce que la Bible, toi, tu lis maintenant, là, c'est écrit en grec ou bien c'est en français? C'est écrit... Ce que nous sommes en train de dire, c'est écrit en français et tu parles de grec. Il faut laisser grec à ceux qui sont... Non, attends. La Bible que je lis, c'est en grec et puis écrit, interprété aussi en français. Il y a le grec et le français. Ce que ici, là, c'est français. Tous les habitants de la terre ne sont pas des Grecs. Donc, ne parle plus de grec, là. Non, tu sais, c'est que moi, j'ai la Bible en grec. Tu sais, les musulmans, si tu parles avec eux, ils te donnent le Coran arabe. La première écriture de la Bible, là, c'est pas en grec, c'est en hébreu. Non. Écoute. Je vais t'enseigner. C'est après ça. Je vais t'enseigner quelque chose. Dieu, il est le Dieu de toutes les langues. Attends, si je te demande quelque chose, tu es aussi libre de me dire que peut-être les mots là que tu veux dire en arabe, ça se dit ceci et cela. Lorsque vous dites Bismillah et tout ça, c'est en arabe. Nous comprenons que vous parlez en arabe, ça veut dire quelque chose. Nous comprenons. Maintenant, nous aussi. Et ça traduit ça en français. Tu quoi? Tu dis quoi? Et ça, c'est traduit en français, non? Oui. Mais ça, c'est traduit. Ce qu'on a écrit en grec, là, c'est ça qu'ils ont transcrit ici, comme la plénitude en la divinité. Et non, le mot incarnation. Donc, toi, tu as une manière de temps. Non. Incarnation, là, ce n'est pas grec, c'est la langue française. Le mot incarnation, langue française, c'est plus la langue grecque. Donc, quand tu dis incarnation, moi, je veux voir incarnation, moi, je suis blanc là. C'est ce que moi, je t'ai dit.
la version de la Bible que tu es en train de lire, dans cette version-là, on a simplifié ça, puisque beaucoup de gens ne connaissent pas incarnation, ils ne connaissent pas le sens. On a mis corporellement. Lorsqu'on parle de corporellement, c'est la version grecque que j'ai, la version grecque. La version grecque, moi, je ne suis pas grec. Mais c'est pour cela qu'il te faut apprendre. Le mot incarnation en grec, là, ça existe en grec, mais c'est toujours incarnation ou bien c'est une autre chose. Dans le grec, on a dit l'incarnation. Et cela se confirme même dans... Il y a un autre verset de la Bible, on a dit ceci. Verbo incarno, verbo estus incarno. Je te donnais cette version-là. C'est dans Jean au chapitre 1 au verset 14. On utilise aussi le mot incarnation. Lorsqu'on dit la parole s'est faite chair, on dit la parole s'est incarnée. C'est le grec. Il faut toujours lire le grec et puis le latin, si tu veux. Puisque Jésus... Il faut me donner quoi? Pour me donner le verset. J'ai encore bien. Tu dis quoi? J'ai encore bien là. Tu as dit j'ai encore bien. Je te lis en latin, Jean au chapitre 1, au verset 14. Tu comprends? Mmh. Il faut être calme puisque tu vas beaucoup apprendre avec moi. Tu n'as pas encore démontré ce que tu as dit. Tu vois que c'est facile de dire une mensonge, mais difficile à montrer. Oui, moi, le mot incarnation, là, il n'y a pas ça dans la Bible. Non. Tu contournes. Quelle Bible? Dans ta langue maternelle, il n'y a pas incarnation. Moi, dans la Bible grecque, il y a le mot... C'est la Bible qu'on donne, nous lisons ensemble, c'est la langue française. C'est la Bible en français. Non. C'est ce qu'on dit. Il y a les versions de la Bible. Tu peux me lire Jean 3,16 là. Non, attends. Je t'ai donné Jean 1, 14. Non. Jean 3,16. Moi, je te donne le verset là. Il faudrait qu'il y ait de réalité dans ce que tu dis. Jean 3,16. Attends. Pourquoi est-ce que tu veux sauter? On n'a pas terminé ça. Tu veux partir à un autre verset. Ce que tu as fait de là, moi, je veux que tu veux le contraire. Pourquoi est-ce que tu veux débattre comme un bandit? Tu vas quitter d'un verset vers un autre. Je ne suis pas un bandit. C'est moi qui pose quelque chose et tu n'arrives pas à répondre, non? Non. Moi, je t'ai dit. Si tu, je vais t'aider. Tu sais, si on te parle, si je veux te lire quelque chose, même le Coran, je vais te lire en arabe et puis en français. Puisqu'il y a aussi plusieurs traductions. Il y a plusieurs, on ne parle pas arabe ici. Plusieurs traductions. Je t'ai appelé, on parle français. Attends. Puisque nos langues à nous, moi j'ai ma langue maternelle, je ne suis pas français. Dans ma langue maternelle, lorsque je parle de Jésus, je dis que Jésus, il s'est incarné dans ma langue maternelle. Maintenant, comme tu ne comprends pas ma langue maternelle, c'est pour cela que je te parle maintenant en français. Et toi aussi, tu parles ta langue maternelle, je ne comprends pas. Maintenant, je peux te parler dans ta langue maternelle ou bien dans ma langue maternelle, je peux utiliser l'anglais, je peux utiliser même l'arabe pour certains mots. Peut-être que tu ne comprends pas, je peux te dire ça en arabe. Et maintenant, je te dis maintenant que le mot incarnation, Colossiens chapitre 2, verset 9, ça parle de l'incarnation. Et je t'ai lu la version là. Ce coup, ouais. Attends. Oui. J'ai 3,16 là, il faut me voir. Donc tu veux fuir maintenant, tu veux partir dans un autre verset. Oh non, je veux prouver le contexte de ce que tu as dit, que Dieu est venu sur terre, sur la forme humaine là. Moi, je vais te poser une question là. On a dit, Jean 3,16. Attends. Je vais te lire ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Très bien. Oui. On a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique. C'est combien de personnes là-bas là? Qu'il a donné son fils unique, c'est la même personne. Non. On a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc, il y a Dieu et son fils unique. Ça, c'est combien de personnes? C'est une même personne. C'est la même personne. C'est faux. Attends. C'est ce que c'est pas ce qui est écrit. Écoute. Dieu a aimé le monde et il a donné son fils unique. Oui. Tu as dit que... Moi, je vois la chose comme ça, là, tu dis autre chose. Tu connais là où Jésus a dit que lui et son père, ils sont un? C'est la même personne.
Donc, nous sommes dans Jean 3, 16. Il faut expliquer ça d'abord. Oui. Avant d'aller ailleurs. Alléluia. C'est ce que je t'ai dit. C'est Dieu. Il a tellement aimé le monde. Il a aimé le monde. Et il s'est incarné. Oui. Son fils unique. Il s'est incarné. C'est faux. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ne vous mentez pas. Écoutez, n'est-ce pas que tu m'as demandé de t'expliquer ce verset ici? Je suis en train de t'expliquer le verset. Non. Il ne faut pas expliquer le verset en disant autre chose que ce qui est écrit. Ce qui est écrit. Oui, voilà. Bon, Dieu a aimé le monde, il a donné son fils unique. Tu as dit que il me mise, c'est incarné là. C'est écrit dans Jean 3, 16 là. Mais c'est... Tu vois la chose, vous as dit que c'est moi. Écoutez, c'est ce que je suis en train de te lire, le verset là. Tu m'as demandé de t'expliquer le verset, n'est-ce pas? Tu m'as demandé ça, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas dire ce qui n'est pas dedans. Il ne faut pas amener ce qui n'est pas dans le verset. On a dit Dieu a donné son fils unique. Il y a Dieu, il y a son fils unique. Et tu me dis que c'est Dieu même qui est venu sous forme unique là. Et son fils unique là, c'est écrit dans ce verset là. Oui. Puisqu'on dit ceci, que la parole s'est faite chair. La parole, c'est Dieu lui-même. Oui. Mais maintenant, Dieu... Dans tu dis quoi? Dans le 3.16, là, c'est ça, on a écrit ça là-bas. Mais si tu lis Jean 3.16, tu as sauté Jean chapitre 1. On a expliqué ce fils-là. On a dit que c'est lui la parole. Maintenant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa parole, qu'il a donné son fils. C'est Dieu qui donne sa parole. C'est Dieu lui-même qui s'est incarné. Lorsqu'on dit la parole, c'est incarné. D'accord, il y a Dieu d'abord avant sa parole, non? Répète ta question. Il y a Dieu et sa parole, non? Oui. D'accord, ça fait combien? C'est la même personne, puisqu'on dit la parole était Dieu. La parole, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. C'est la même personne. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le Dieu qui a aimé le monde là, c'est encore Jésus? Oui, c'est Jésus. C'est Jésus qui et s'est fait... Et le Fils unique qu'il a donné là, c'est encore... C'est qui alors? Mais tu m'as posé la même question. Je t'ai dit, c'est Jésus. C'est Dieu qui s'est incarné. Dieu a aimé le monde, il a donné son fils unique. Oui. Tu dis que Jésus-Christ est Dieu, donc c'est lui qui a aimé le monde. Donc Jésus-Christ a aimé le monde, il a donné son fils unique et c'est qui alors? Il faut répéter ce que disent les Écritures. Ne va pas au-delà de ce qui est écrit. Ne va pas ultra petit. C'est ce qui est écrit que moi et lui. Oui, on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Oui, le fils unique, là, c'est qui? C'est Jésus. Maintenant, le Dieu qui a aimé le monde, là, c'est qui? Ah, c'est ce qu'on dit que le Dieu là qui s'est incarné en Jésus. Dieu? Oh, mon frère, il ne faut pas mentir là. Il ne faut pas mentir. Et il faut répéter ce que disent les Écritures. Le verset est clair. Tu comprends? Il faut répéter ce que disent les Écritures. Donc, Dieu, dans sa nature, il est invisible. Maintenant, il se. Donc, ça veut dire que la Bible se contredit alors. Il a pris la forme visible qu'on appelait Jésus, ce qu'on appelle l'incarnation. C'est pour cela que te disais, la parole s'est incarnée. C'est pas ce qui est écrit. Tu comprends? Tu vas quitter l'islam, je te dis. Je suis en train de t'enseigner petit à petit. Il faut répéter. Il faut lire, il faut dire la suite là. On va dire Jean 3, 17 là, il faut lire ça. Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ah oui. Par exemple, les personnes, ça va. Mais écoutez. Tu as répété la même chose au verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son fils. C'est moi qui ai écrit la Bible. Mais oui, c'est moi qui ai écrit la Bible. Oui, amen. C'est la vérité. C'est la parole de Dieu. C'est ce que moi et lui, non. C'est ce qui est écrit que moi et lui, non. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc Jésus est venu sauver le monde entier.
Tu comprends? Et qui l'a envoyé? Hein? C'est son père qui l'a Qui l'a envoyé. envoyé? Son père. Son père. Oui. Donc Jésus a son père. Oui, il a son père. Lorsqu'on parle de Et son père s'appelle comment? Lorsqu'on parle de son père, lorsqu'on parle de son père, c'est lorsqu'on parle Oui. que la parole s'est faite chair. Lorsque la parole s'est faite chair, c'est alors qu'on a appelé Jésus. Ne contourne pas. Tu as dit que Jésus-Christ a son père, non? C'est toi-même qui as dit ça tout à l'heure, mais. Oui. Lui-même disait chaque fois que Donc, mon c'est son père, père. chaque fois qu'il C'est son parlait, père qui l'a envoyé, non? oui, c'est son père qui l'a envoyé en Donc, mission. son père qui l'a envoyé, ça s'appelle comment? C'est celui qu'on a appelé Yahweh dans l'Ancien Testament. Ah, d'accord. Yahweh. Donc, ça veut dire qu'il y a Jésus et son père. Il y a son père, lorsqu'il s'incarne, c'est alors qu'il s'appelle Jésus. Oh, c'est faux. C'est pas ce qui est écrit. On a dit Dieu, en effet, n'a pas envoyé son fils. Et tu es d'accord avec moi que Jésus-Christ a son père. Ou bien. Tu m'as posé la question 4 fois et je t'ai répondu. Tu continues à me poser la même question. N'est-ce pas que tu as posé cette question-là? Tu répètes la même question. Oui, son WhatsApp est en train de se reconnecter. Là, c'était le verset dont j'ai parlé. Jean au chapitre 19, au verset 20. Jean au chapitre 19, à son verset 20, on dit ceci. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié. Même in Islam, it's not a throne like in a Christianity. Le trône, lorsqu'on parle du trône dans l'islam, Oh, ce n'est attendez. pas comme le trône dans le christianisme. Attendez. OK. Je vais rappeler le frère là. Je le rappelais. Oui, juste un moment. Je suis en train de chercher ce numéro. Peut-être il va rappeler. Ah, c'est le 228. Ouais. Il est là. Je suis en train d'appeler le frère. Ok, je vais essayer la deuxième fois. Oui, ça c'était le frère Abdelaziz. Alors, ce sont des gens qui ont été conduits dans l'islam, donc par erreur, innocemment. Innocemment, donc, comme des moutons des panurges. Ils ont été conduits dans l'islam, mais ils vont quitter l'islam, tous ces gens ici. On l'a juste leurré, là c'est son numéro, le frère Abdel Aziz. Ok, on va l'attendre, peut-être qu'il va revenir en ligne.
puisqu'on a beaucoup de choses à partager avec le monde, puisque les gens n'ont pas la connaissance de Dieu. Les gens ne connaissent pas Dieu, tellement que Dieu est très caché de foi, tellement que Dieu est caché, les gens ne comprennent pas, ils ne connaissent pas Dieu. Alors, je vais vous parler que lorsque on crucifiait Jésus, on dit que parce que le lieu où beaucoup de gens lurent cette inscription, l'inscription là, on dit, elle était en hébreu, c'était écrit en hébreu, c'était écrit en grec et puis c'était écrit en latin. C'était les trois langues qu'on parlait à l'époque de Jésus. Beaucoup de gens connaissaient ces langues ici. Le grec ici, puisque avant ça, le grec, l'Israël était colonisé par Alexandre le Grand. On parle du royaume, l'Empire grec. Ça avait colonisé presque tout le Moyen-Orient. Le monde entier était colonisé par Alexandre le Grand. Il avait tellement fait des conquêtes jusqu'à ce qu'un jour il est arrivé quelque part. Il a dit qu'il n'y a plus de monde à conquérir. Et c'est alors qu'il avait parcouru tous ces pays-là. Il a enseigné le grec. Les gens parlaient en grec, tous ces gens-là. Lorsque l'Empire grec est tombé, il y a eu d'autres royaumes qui se sont succédés. On parle de Médo-Perse. Il y avait d'abord les Babyloniens, et puis il y a le Médo-Perse, et puis il y a le Grec, et puis le Romain. Oui, c'est comme ça. C'est... Et puis les Romains sont venus. Lorsque les Romains sont venus, ils parlaient le latin, avec le Jules César, le Caligula, tous ces gens-là, les Néron, lorsqu'on voit dans l'histoire, les gens qui avaient même établi... Jésus parlait de César. Lui, il parlait latin. Maintenant, pendant tout ce temps-là, c'était en... Maintenant, le grec, c'était comme une langue d'instruction. Comme nous, Africains, nous parlons le français et l'anglais, ce ne sont pas nos langues. Ce sont les langues de colonisation. Les politiciens se sont mis là pour nous dominer. C'est comme je viens de communiquer maintenant, je parle en français. Mais c'est pour atteindre un plus grand nombre. Si je parle dans ma langue locale, ma langue, c'est seulement les gens de ma communauté qui vont m'entendre. Mais ce que je suis en train de faire, même les gens qui sont aux États-Unis, par exemple, qui parlent français, au Canada, les gens qui sont en Europe, les gens qui sont dans n'importe quel pays, mais qui connaissent français, ils vont me capter. Et ils sont plus nombreux que les gens de mon village. Et mon message, c'est facile d'être même traduit à cause de la langue française, plutôt que si je parlais en ma langue maternelle. C'est ainsi que la Bible est venue en grec, le Nouveau Testament, les gens-là qui écrivaient, ils parlaient grec. Même Jésus avait des disciples qui étaient des Grecs, comme Luc, le médecin, c'était un grec. Il a écrit en grec. Et maintenant, lorsque nous lisons la Bible, on peut toujours recourir aussi au grec. Lorsque je disais au frère que Dieu s'est incarné, il dit qu'il n'a jamais entendu ça dans la Bible. Mais écoutez, mais tu ne connais pas le grec. Tu n'entendras ça jamais. De nulle part. Il dit, chez nous, on va te montrer le grec. On va te montrer le latin. J'allais lui donner une écriture dans Jean au chapitre 1. Au verset 14, mais il est parti, peut-être il va revenir. Dans Jean, au chapitre 1, au verset 14, on parle aussi de l'incarnation là. Au verset 14 de Jean, au chapitre 1er, au verset 14, on dit ceci, vous allez voir, l'incarnation. On dit ceci, la parole ici, le Verbe s'est fait chair. La parole s'est faite chair. C'est l'incarnation déjà. Pourquoi est-ce que je dis ça? Puisque nous lisons dans beaucoup de versions. Allons dans là, c'est le grec. La version grecque de la parole. Et ici, c'est le latin. Ça, c'est la Vulgate en latin. On dit « Et verum caro factum est » Verbum caro factum et habitat in nobis
Vedemos, gloriam. Hein? Lorsqu'on dit verbum caro, caro, caro factum, c'est ce qu'on appelle la incarnation. Caro factum, verbum caro factum. Comme le verset là que je lui disais, Colossiens au chapitre, caro, sauvé, incarno, carno, l'incarnation. C'est de là que vient tout ce mot ici. Ce sont les racines. Les mêmes racines. Même le verset là que je lui disais dans Colossiens, on va voir ça, ce que ça va nous donner. Colossiens chapitre 2 au verset 9. On va voir. Oui. Lorsqu'on dit en lui habite corporellement, lorsqu'on parle du corps, le corps, c'est ça l'incarnation. Cela veut dire que dans la chair, hein, la parole habite dans la chair. La chair, c'est ce qu'on appelle l'incarnation, le corps. Maintenant, c'est le même Dieu qui est venu habiter dans la chair. La même personne. Quia in ipso in habitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter. Maintenant, si tu vas dans le grec ici, on parle de l'incarnation. C'est Dieu qui se fait chair, il vient s'incarner. Jean au chapitre 1, au verset, on va voir. Vous allez voir avec nous. Puisque nous ne parlons pas de nous-mêmes. Nous avons là où nous nous inspirons. Là, nous sommes dans Jean au chapitre 1. Jean au chapitre 1, vous allez voir. On parle de l'incarnation. On dit, au commencement était le Logos. C'est le grec. Ça, c'est la Bible en grec. Grec français. Hein? Au commencement était le Logos. Et le Logos était avec Dieu. Et le Logos était Dieu. Logos était Dieu. C'est Dieu qui était la parole. On va au verset 14. Vous allez voir. Ce que ça va nous donner, on dit, le Verbe s'est fait chair, le Logos s'est incarné. C'est de l'incarnation dont on parlait. Hein? Comme on disait en latin, verbum caro factum. Hein? Donc, c'est la parole qui s'est fait, qui s'est caro. Caro, c'est l'incarnation. C'est pour cela que la version ici dit, le Logos s'est incarné. De la parole s'est fait chair. Les musulmans, eux, ils ne connaissent pas ça. Puisque eux... Ah, je vois le frère. Il m'a sonné. Il est revenu. Je vais le rappeler. Je vais le rappeler. Bonsoir, frère. Alors, mon frère, je vous appelle maintenant en vidéo. Vous voulez prendre la vidéo? Oui, parce que chez moi, il sonnait 22h22. Donc, ça fait que la lumière n'est plus. Donc, vous ne pouvez pas me voir. C'est dans la nuit, nous sommes comme ça là. Ah, donc il n'y a pas moyen de vous voir. Hein? Ah, bon, me voici. Bon, je suis en face. Ah, ok, ok. Je vous vois, je vous vois. Ah. Puisque c'est toujours bien de nous voir. Est-ce que vous me voyez également? Oui, je vois seulement la photo, hein, ce que vous avez mis en profil là. Et vous ne me voyez pas? Non, je ne vous vois pas. Ah, ok, oui. Ah bon, puisque... Et votre nom, c'est Abdelaziz? Yes, c'est Abdelaziz. Ah, attendez. Moi, je vous vois très bien, mais vous ne me voyez pas. Mais
Après ça, je vais vous envoyer les images. Je vais vous envoyer les images. Je vais vous faire la vidéo, OK? OK, pas de souci. OK. Mais maintenant, on était en train de parler sur l'incarnation. Oui, on a dépassé, on était au niveau de Jean 3, 17 là. Ah. C'est son père. Ok. Tu peux maintenant fermer la caméra, comme ça on continue à parler. D'accord. Ok. Pour qu'on puisse bien parler. C'est bon? Ah oui, c'est bon. Ah, tu posais la question. Tu peux me rappeler la question? Oui, je dans Jean 3, 17 là. Dans Jean 3, 17. Ouais. Oui. Dieu, en effet, a envoyé son fils dans le monde. Pas pour aller juger le monde. Oui. Et je vous posais la question, à savoir, le Dieu qui a envoyé Jésus dans ce verset-là, c'était qui? Et vous me disiez que c'est son père. Oui. Est-ce que j'ai menti? Oui, c'est vrai. C'est la vérité. D'accord. Donc, ça veut dire que Jésus même, il a un père. Oui, oui. Jésus a un père. Donc, d'accord. Alors, et comme vous êtes en train de dire qu'il est Dieu, en même temps, vous dites qu'il a, il a encore un père. Ça veut dire que son père est plus grand que lui. Mais il avait dit ceci lui-même. Il avait dit, hein, le père lui-même, puisque Dieu a la capacité d'être en plusieurs endroits au même moment, Dieu peut être, il peut être au ciel, assis au ciel. Et il est sur la terre en train de marcher comme un homme. Dieu a la capacité. Il peut faire ça. Il peut faire comme si, je vais utiliser un mot entre guillemets, un mot qui n'est pas biblique. Ça, c'est un mot que moi je donne. Il peut se dédoubler. Okay. Il peut se dédoubler. Dieu peut se dédoubler. Mm-hmm. Même un homme, il y a des gens qui peuvent se dédoubler. Un homme que vous voyez, par exemple, il est au Cameroun. Et au même moment, on les voit en France. Il y a des hommes qui font ça sur la terre. Maintenant, Dieu lui peut faire ça plus. Dans ce cas, ils sont toujours hommes. Tu dis quoi? Dans ce cas, ils sont toujours hommes ou bien ils sont Dieu. Tu dis quoi? Se dédoubler en même temps en France comme en même temps au Cameroun. Donc, au moment où il faisait tout ça, j'ai pas mal là. Il est encore homme ou bien il est devenu Dieu. Tu parles de qui? De Jésus? Non. L'homme là, l'homme dont tu parles, que les hommes ont la capacité de faire ça comme Dieu le fait là. Eh, disait les hommes là, ils deviennent Dieu ou bien ils sont toujours hommes là. Ils sont toujours hommes. Puis c'est pour cela que je dis les hommes. Ah, c'est une ruse de Satan. C'est une ruse de Satan qu'ils sont en train d'utiliser. C'est ce que je dis, les hommes peuvent faire ça. Maintenant, Dieu lui peut faire plus que ça. Puisque on ne peut pas, il n'y a pas de discussion autour de ça. Tu sais, dans la Bible, c'est écrit que Dieu était au ciel sur la terre et puis en même temps il était en bas sur la terre sur la montagne. C'est écrit dans la Bible. Dieu est partout. Non, je ne dis pas que Dieu est partout comme toi tu l'as dit. Je dis ceci. Dieu est partout à tout moment. Non, attends. Dans la Bible on dit ceci, que Dieu était assis au ciel. Et il parlait sur la montagne de Sinaï. Il y a une écriture de la Bible qui dit ça. Ok, mon frère, ma question là. Hein? Jésus à son père. Tu dis quoi? Tu m'as dit tout à l'heure que Jésus à son père. Non? Mais tu vas poser la question combien de fois? C'est la septième fois que tu répètes. Je te pose la question. Est-ce que le père est plus grand que Jésus? Bien, ils sont la même chose. Mais Jésus lui-même avait dit que mon père est plus grand que moi. Jésus avait dit ça. D'accord.
Oui, pourquoi Donc, est-ce entre que... le Père et Jésus, oui, entre le Père et Jésus, maintenant, on doit adorer qui? Ce que je te dis, c'est la même personne. Lorsque tu adores le Non, c'est Père, tu as adoré Jésus. C'est ce qu'il non. dit. C'est ce qu'il a dit. Dieu, Je il a suis dit pas ceci. d'accord. Mon Père, moi et mon Père, nous sommes un. Et Je ne la refuse Bible pas. a dit ceci. Attends, la Bible a dit ceci. Il y a deux fois que Dieu se montre sous la forme humaine. Même dans le Coran, ça existe. Mohammed a parlé de ça. Dieu se montre sous la Ce que forme même dit. humaine. Et lorsque Jésus Ce s'était que montré... même dit là. Tu dis quoi? On doit adorer le Père Non, non, et non, le Fils. tu as dit c'est faux. Tu es en train de dire qu'on doit adorer, on doit adorer le Fils. Et elle dit que c'est pas, c'est écrit. Jésus n'a jamais demandé aux Israélites de l'adorer. Ah, mais c'est écrit dans la Bible qu'il faut adorer Jésus. Qu'il faut adorer Jésus. Oui. D'accord. Et au temps de Moïse, là, ils adoraient qui? Écoute, tu as dit qu'il n'a jamais été dit d'adorer Jésus, mais je t'ai dit dans la Bible, on dit d'adorer Jésus. Je ne veux même pas voir le verset là. Ce que moi, je te demande là. Quel verset? Au temps de Moïse là, ils adoraient Dieu ou bien ils adoraient Jésus. Ils adoraient Dieu. Et après, Ils donc, adoraient ça veut dire Jésus. que quand Jésus même il dit ça, il dit que de l'adorer, que toi tu crois à ça, ça veut dire que ça peut, c'est peut-être à son peuple qu'il a dit ça. Écoutez, au temps de Moïse, ils adoraient Jésus. C'est faux. C'est pas ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit qu'au temps de Moïse, ils adoraient Dieu. Oui, c'est la même C'est ce que tu as dit personne. C'est Jésus. tout à l'heure. C'est faux. Écoutez, il fallait peut-être me demander, C'est faux. c'est C'est faux. écrit où? Il fallait me demander l'écriture. Au temps de Moïse adorait Jésus. Au temps de Moïse, là, Jésus était déjà sur la terre. Oui. Il était où? Il était avec Moïse. Il était avec Moïse. Oui. Et au temps d'Esaïe, là, il était où? Il était là avec tous ces prophètes de là. Jésus était avec eux. Mon frère. Et au temps de Noé, il était où? Il était toujours là, puisqu'il est, il est au commencement. La Bible dit, il est le commencement de toutes choses. Qui? Jésus, il est le commencement de toutes Non, choses. c'est pas Jésus, c'est pas Jésus, on a écrit. On a dit au commencement était la parole et non Jésus. Non, j'ai dit ceci. La Bible dit, il est le commencement de toutes choses. C'est écrit dans la Bible. Quel verset? Colossiens, le même livre là que j'aime beaucoup, de mon apôtre Paul. Hein? L'apôtre Paul, est-ce que l'apôtre Paul, il est parmi les 12 disciples de Jésus Non, là? non, non, mais là, c'est un autre sujet. Tu as parlé de... Ah, comment ça? Au lieu de parler des 12 apôtres de Jésus même, qui ont vu Jésus, qui ont marché avec Jésus ensemble sur terre, tu es en train de laisser ces 12 paroles là et tu es en train de parler du 13e apôtre qui fait des révélations. En tout cas, tu ne peux pas entrer dans ce débat là. Ce que moi, je vais te demander là, Attends. la maman de Jésus a adoré qui? Attends. Tu vas me poser la question combien de fois? Tu m'as dit de te La montrer là où première Jésus fois, est le la maman de commencement. Dans Colossiens Jésus. chapitre 1, verset 18, on dit que Jésus, il est le commencement. Le C'est commencement, parce qu'il c'est... connaît ça. Ce que moi, je demande là, la maman de Jésus, là, Marie, là, elle a adoré quel Dieu? Elle a adoré qui? Elle adorait Jésus. C'est écrit où? Elle adorait Jésus. Toute la terre adorait Jésus. C'est écrit où? Ah, c'est ça qu'il faut poser la question. Hein? Il faut poser la question. Et c'est ça qu'elle a posé, non? Oui. Toute la terre adore qui? Adore Jésus. C'est faux. C'est écrit où? Allons dans Hébreux au chapitre 1. Bien, tu as la Bible? Allons dans Hébreux au chapitre 1. Oui. Tu vas voir.
tu as quitté l'islam dans quelques minutes là. Bon, dans... C'est très faux. Non, non, pas... bon, écoutez, si tu parles avec moi, dans deux, je te donne la limite, c'est 2 semaines. Dans 2 semaines, tu vas quitter l'islam. Toi qui m'as déjà confirmé que de Jésus même à son père, et moi je vais te suivre, ça c'est très faux. Toi qui m'as dit que Jésus a son père, là moi je préfère adorer le père de Jésus et non Jésus même. Mais si tu adores le père de Jésus, c'est là où tu adorais Jésus, puisque c'est la même personne. Non, moi je n'adore pas Jésus. Moi je ne veux pas adorer Jésus, je veux adorer le papa de Jésus même. Mais tu es sur le chemin. Non, quel chemin? Tu m'as déjà confirmé que Jésus même a son papa. Ça veut dire que ton Dieu a un papa. Donc, moi, je préfère adorer le papa de ton Dieu et non ton Dieu même là. Tu vois, non, je t'ai eu. C'est là que je t'ai eu. Tu es sur la route. C'est pour cela que Jésus dit ceci. Je suis le chemin. Tu es déjà sur le chemin pour connaître quel Jésus. Quel chemin? Ton Dieu a un papa. Moi, je préfère adorer le papa de ton Dieu là. Puisque lorsqu'on parle de Jésus, on parle de l'incarnation. Lorsque ce Dieu-là s'incarne, c'est alors qu'il appelle l'incarnation le Fils. Moïse n'a pas adoré Jésus. Moïse a adoré Jésus. Abraham n'a pas adoré Jésus. Si. Abraham a adoré Jésus. Tout le monde a adoré c'est Jésus. Faux. C'est très faux. Écoutez. Hein? Mais toi, c'est écrit où? Ton problème avec toi, tu me demandes c'est écrit où? Lorsque je vais te montrer le verset, tu poses une autre question. Ah, non, quand tu me montres le verset là, moi je vais lire, moi je suis blanc comme ça là, avant de savoir. Il ne faut pas. Hein? Là, tu penses, non, c'est ce que moi je refuse d'un côté. Je vais voir là où Jésus-Christ, ou Abraham, ou soit Noé, ou soit la mère de Jésus même, ils sont adorés Jésus là. C'est écrit où? Ah, tu sais que Jésus dit ceci, Abraham m'a vu. Abraham m'a vu et il a tressailli de joie. Tu te souviens de ce verset là? Abraham a fait quoi? Jésus dit ceci, Abraham m'a vu et il a tressailli de joie. Ça, c'est dans comment on l'appelle? Dans la spiritualité. Donc, ce n'est pas la vue dont Jésus parle là. Donc, ce n'est pas qu'il était déjà sur terre. Où est écrit la spiritualité? Tu veux ajouter à la Bible? Non, est-ce que c'est sur terre? Au temps de Abraham là, lorsque Abraham existait, est-ce que Jésus était déjà sur terre? Oui, oui, il était là. Il était déjà sur terre? Oui, il était sur terre. Il était sur terre avant Abraham. Mais il a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Où? Dans la spiritualité? Sur la terre ou bien dans la spiritualité? Mais mon frère, sur la terre, Jésus était là. Où? Genèse au chapitre 18. C'est qui a écrit Genèse là? C'est pas Abraham. C'est Jésus qui a écrit Genèse là. C'est au temps de Jésus qu'on a écrit Genèse. Mon frère, tu as demandé le verset. Je te donne le verset. Mais tu donnes ce qui existait avant même la naissance de Jésus. Mais Jésus dit avant qu'Abraham fût, je suis. Est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est Marie qui a accouché Jésus? Amen, c'est vrai, c'est la Bible qui dit ça. Et après, donc, quand Marie elle est la descendance d'Abraham, non? Oui. Maintenant, en quel temps Jésus qui est né dans la descendance d'Abraham, Abraham qui est son ancêtre, va l'adorer? Mais écoutez, Jésus n'est pas venu sur la terre une fois. Il est venu plusieurs fois sur la terre. Plusieurs fois. Il est né comme le plat. Pas naître, venir. Plusieurs fois. Ce que moi, dit là, il est né combien de fois, mon frère? Une fois, avec Marie. Ah, il a dit qu'il est venu plusieurs fois. On a commencé par apprendre son histoire sa naissance. Non, quand l'ange est venu annoncer à sa maman qu'on va enfanter un enfant là,
C'est à partir de là qu'on a commencé par apprendre Qui les est événements qui, lorsque tu ou dis. les histoires de Jésus jusqu'à nos jours. Donc, tu dis que toi, tu as commencé à apprendre Jésus à partir de sa naissance. C'est toi. C'est ça, c'est ce que la Bible dit, non? Non, non, ce n'est pas tout le monde qui a appris Jésus à partir de sa Tout a mis au naissance. monde. C'est toi Tout qui a as. mis au monde. Puisque. Attends, attends. Jésus, lui. J'ai Jésus. connu Jésus à dès sa naissance. Oui, c'est toi. Parce Mais que maintenant, moi, je ne l'ai pas connu à partir de sa naissance. tu le connais où? Avant sa naissance, tu le connais où? Oui, dans la Bible, Genèse au chapitre 18, on parle de Jésus. Avant sa naissance, tu le connais où? Je te donne le verset. Genèse chapitre 18. Donne-moi le verset qui prouve que Abraham a adoré Jésus. Ou bien sa maman a adoré Jésus. Genèse chapitre 18. Oui. Tu peux lire? Genèse. Chapitre 18, au verset 1 et 2. 18 ans. Tu vas quitter l'islam. L'Éternel lui apparut. Bah, il faut oublier ça. Non, 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 Bah, non, toi non, qui non. prie, Si tu comme continues tu à as parler avec moi une femme. dans 2 semaines, tu vas quitter l'islam. C'est faux, c'est faux. Oublie ça. Non, non. C'est toi qui vas te revenir. Ah, ok, on va voir. Voilà. Ton Dieu a un papa et moi je vais te suivre. Oui, c'est ça l'incarnation. Il faut oublier ça. Tu n'as pas le mot là dans la Bible. Donc, on ne dit plus Je ça. t'ai montré. L'incarnation là dans la Bible là, c'est où? Corporellement, ça veut dire incarnation. Non, 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 il ne faut pas ça venir. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit là, c'est corporellement et non incarnation. Oui, c'est écrit. Incarnation là, c'est la philosophie. Il faut oublier ça. Je te dis, en latin, il est Moi, écrit incarnation. En je ne grec. suis pas à la tête. Il faut aller chez les latins là-bas. Ceux qui Ah. parlent grec là-bas, il faut aller parler grec là-bas chez eux. Là. Moi, je parle français avec toi. Donc, ne me marmaille pas. Non, moi, je t'ai montré le verset là qui M'as donné parle un de verset, je l'église. peux lire ça. Tu dis quoi? Tu m'as donné un verset, je peux lire ça. C'est quoi ça? Répète ça. Il répète ce que tu dis. Tu m'as donné un verset, je peux lire. Ou bien tu vas lire, je vais voir. Je t'ai donné un verset. Là, on dit que la parole s'est incarnée. La parole s'est C'est où? incarnée. Tu m'as donné Genèse 18, Oui. verset 1er. Oui. Lise, je vais voir. Je t'ai donné, j'ai dit, Genèse chapitre 1, chapitre 18, versets 1 et 2. Oui, lise, je vois. On dit, l'Éternel parmi les chaînes des Mamrés, comme Abraham, comme il était assis à l'aide de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de et se prosterna en terre. C'était déjà Jésus. C'est pour cela que Jésus, votre père Bon. Abraham m'a vu et puis il a tressailli de joie. C'est faux. On n'a pas dans tout le verset que tu as dit là, il n'y a pas le mot Jésus là-bas. Mon frère, Jésus a dit, lorsque Abraham l'a vu, il a tressailli de joie. Le verset 1 et 2 que tu as dit là, où est le mot Jésus là-bas que tu es en train de m'enseigner comme C'est ça? l'éternel, c'est Jésus. Qui t'a dit ça? C'est où? C'est quel dictionnaire qui dit ça? L'éternel, lorsqu'on dit l'éternel, c'est Jésus. Non, mon frère, tu peux tromper ceux qui n'ont jamais, ou bien ceux qui n'ont pas le cerveau en place. Puisqu'on dit que Dieu Ce que l'appelait. moi, je vois, moi, je suis Attends. là, dit Lorsque l'éternel. dit la plénitude de la divinité habite corporellement, ça veut dire quoi? Toute la C'est plénitude. dans Genèse là que tu lis tout ça, ou bien tu es parti encore ailleurs. Lorsqu'on dit la plénitude de la divinité habite en Christ. On est dans Genèse. On est dans Genèse 18, verset 1er, 2. Oui, tout, Tu es tout, parti ailleurs. toute la Bible, c'est un livre. Toute la Bible, ça fait un livre. C'est en quoi? Toute la Bible, c'est un livre. C'est comme un instrument de musique à plusieurs notes, plusieurs cordes. Maintenant, tu dois jouer en utilisant toutes les cordes.
C'est comme lorsque tu joues le piano, tu utilises tous les 10 doigts. Les 10 doigts, tu les utilises. C'est ça la Bible. J'utilise toute la Bible pour détruire un musulman. Je vais te montrer quelque chose. Oui. Tu sais que le Père de ton Dieu est plus grand que ton Dieu là. C'est écrit où? D'accord. Ça veut dire que tu as dit que Jésus-Christ est à son Père. Et il ne faut pas. Tu as dit que le Père est plus Dieu que. Il est plus grand que Dieu. C'est ce que tu as dit. Oui, est plus grand que ton Dieu Jésus-Christ. Non, attends. Il faut savoir bien parler. Et répète ce que disent les Écritures. Jésus a dit que d'accord. Mon Père est plus grand que moi. Maintenant, si tu as dit... c'est ce que je dis, non? Non, tu n'as pas dit ça. Tu as dit que... Jésus même a dit que son Père est plus grand que lui. Non, toi, tu as dit que le Père est plus grand que mon Dieu. Et là, tu as changé. Tu as changé. Qui est Dieu pour toi? Tu as changé. Puisque lorsque nous parlons... Qui est Dieu pour toi? Le Dieu, c'est Jésus. Ton Dieu, c'est Jésus, non? Oui. Et lorsqu'il est... C'est ce Jésus qui dit que son père est plus grand que lui-même, non? Non, attends. Son Père était plus grand que lui lorsque Jésus était sur la terre. Jésus, lorsqu'il était... Oui, c'était à l'époque de Jésus, lorsqu'il était sur la terre. Lorsque Jésus était sur la terre, il a dit, mon Père est plus grand que moi. Jésus était encore sur la terre. Et c'est ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il s'est humilié, il s'est dépouillé. Il est devenu semblable à nous. Alors, il était un homme faible. Il a pris notre place. Il a pris nos péchés. Moi, je ne veux pas aller jusque là-bas. Oui. Tu as dit, Jésus a dit, mon Père est plus grand que moi. Oui, Jésus a dit ça. Attends. Il faut connaître la conjugaison de temps. Lorsque Jésus... Parce que le temps qu'ils ont utilisé, ce n'est pas le temps présent. Non, attends. Lorsque Jésus était sur la terre, il avait dit... Et qu'est-ce qu'il a dit de sa bouche? Il avait dit, mon Père est plus grand que moi. Il avait... Tu es d'accord avec ce verset, non? Oui. Tu es d'accord avec cette parole? Oui, amen. C'est la vérité. D'accord. Une fois que le Père est plus grand que lui-même, Jésus-Christ, là... Oui. Je préfère adorer son père. Mais son père, c'est lui-même. C'est lui-même le père. C'est faux. Non, c'est pas ce qui est écrit dans le verset là. C'est pas ce qui est écrit dans le verset. Il a dit, mon père est plus grand que moi. Donc, pour un enfant qui fait même ces deux-là, quand tu lui demandes, il y a combien de personnages dans ce fragment de phrase là, il va te dire, c'est deux personnes. Il y a mon père et moi. Tu vois, non? C'est deux personnes. Oh. Il y a Dieu et Jésus-Christ. Avec deux personnes. Attends. Il n'a pas bien dit. C'est pas lui qui est écrit là-bas. Attends. Tu m'as posé si c'est 74 questions. Est-ce que je vais te poser une question? Non. Est-ce que je peux te poser une question? Pose-moi la question là. Est-ce que Allah peut venir dans un corps humain? C'est moi qui t'ai appelé, non? Non, je te pose la question. Selon l'islam, selon le Coran et puis selon les hadiths de Muhammad, est-ce que Allah peut venir dans un corps humain? Venir où? Et je te pose la question, d'après le Coran. Et il va venir où? Sur la terre ou bien où? Sur la terre. Pourquoi quoi? Hein? Non, il va venir quoi ici là? Attends, tu dis que Allah ne peut pas venir sur la terre. Il va venir sur ce que toi tu dis que Dieu va venir. Sur la forme humaine, sur terre, là, c'est écrit où? Non, je te pose la question. D'après l'islam. J'ai dit non, je ne viens pas sur la terre sous forme humaine. Tu dis que Dieu ne vient pas sur la terre comme. Maintenant,
pourquoi est-ce que sur la terre, il faut bien mesurer ce que tu as dit. Tu dis sur la forme humaine. Donc Dieu ne vient pas sur la terre sous la forme humaine. Sous la forme humaine là. Non. Ok. Pourquoi est-ce que Sourate 68, 42 dit que Allah viendra comme un homme? Sur la terre? Oui. Sur la terre? C'est, oui, sur la terre. C'est faux. C'est faux. C'est pas sur la terre. Il est écrit là-bas. C'est ne où? Transformez pas. Il faut lire ce qui est écrit là-bas. C'est où? Arrête, c'est toi qui as lu le verset, non? Non. Tu as dit... Il est écrit sur la terre là-bas. Là. Ça sera où? En enfer? Mon frère. Donc c'est comme ça vous faites là. On a dit sur la terre là-bas là. Non, ça sera où? Au ciel ou bien en enfer? C'est toi qui as lu, tu as lu quoi? Sur la terre ou bien au paradis ou bien en enfer? Mon frère, je te pose la question. Est-ce que Allah va venir dans un corps humain? Je te dis sur la terre, non. C'est pas ce qui est écrit, c'est pas sur la terre qui est écrit. Il viendra où? C'est toi qui as lu, tu as vu quoi là-bas? Non, attends. Allah viendra dans un corps humain. Ça sera où? Ils ont écrit où? Lorsque Allah viendra... Au jour du jugement, on a dit au jour du jugement ou bien au paradis. Ah, ok. Au jour du jugement, Allah viendra comme un homme. Ah non, c'est ça. Donc, nous sommes sur la terre présentement. Donc, quand tu veux parler... Non. Il faut préciser les choses. Toi, tu me poses la question sur la terre. C'est ça que je suis en train de refuser. Attends. Ne me transformez pas ce qui est écrit. Donc, tu dis le jour du jugement. Parce que le Coran n'est pas comme la Bible. Non. Le Coran n'est pas comme la Bible dans lequel tu vas trouver des versets contradictoires de n'importe quoi dedans. Non. Le Coran n'est pas comme ça. Tout le Coran, c'est un livre de contradictions. Tout le Coran. C'est très faux. La Bible est plus que contradiction que ce que toi tu penses. Il n'y a aucune contradiction dans la Bible, mais le Coran se contredit de A à Z. On termine avec... Il y a contradiction, il y a vraiment mensonge dans la Bible. Attends. Il y a mensonge, il y a les paroles, il y a ce qu'on appelle... Les gens ont pris leurs propres paroles dans la Bible, malgré que le Coran, là, ce n'est que la révélation. Non, c'est ce qu'on t'a menti, c'est un mensonge qu'on t'a dit. Maintenant, la question que je t'ai posée, donc tu as dit qu'Allah viendra comme un homme le jour du jugement. Il viendra sous la forme humaine. Je t'ai posé la question, c'est écrit jour du jugement ou bien au paradis. Ah, parce que toi, tu t'as dit sur la terre, je t'ai dit que ce n'est pas sur la terre. Ah, ok. Donc, tu as dit qu'Allah viendra comme un homme, c'est au ciel ou bien ça sera en enfer? C'est toi qui as lu le verset. Moi, je n'ai pas lu le verset. Non, mais attends, je t'ai posé dans l'islam. Vous croyez que Allah viendra dans la forme humaine? Ça sera où? Frère, moi je parle du verset, c'est toi qui as lu ça. Donc c'est toi que je te refuse que, comme toi tu dis, tu me poses la question sur la terre. Là. Moi j'ai refusé ça. Ce n'est pas sur la terre qu'ils ont écrit. Moi je suis sûr que ce n'est pas sur la terre. Ça sera où? J'ai suivi ton vidéo. J'ai suivi ton vidéo et j'ai tiré le numéro de moi. Et j'ai dit que grâce à ce numéro, je vais te poser des questions et toi, tu ne veux pas répondre. Voilà que tu m'as donné Genèse 18 et même tu as profité du Genèse 18, le verset premier. Non, tu sais, lorsque je cause avec un musulman, il faut l'aider en détruisant le Coran. Puisque moi, je suis un destructeur du Coran. J'ai détruit le Coran. Maintenant, je détruis le Coran. C'est ça le boulot que je fais. Alors, je te dis, tu ne connais rien du Coran. Non, je maîtrise le Coran plus que ton imam. Comment tu l'as maîtrisé? Tu as maîtrisé en sa langue de révélation. La langue de révélation, c'est quoi? C'est arabe. Lorsque je te parlais du grec, toi, tu as dit que tu ne crois pas le grec. Et on ne parle pas incarnation. Maintenant, tu dis... C'est une question que je t'ai posée. C'est toi qui as dit que tu as maîtrisé le Coran. Et je t'ai dit, tu l'as mémorisé. C'est dans ta tête, là. Tu connais le Coran en arabe, là. Parce que la révélation, là, c'est en arabe qu'on a fait ça. Écoutez, je ne suis pas arabe. D'accord, c'est ça. Donc, puisque ton imam ne connaît pas arabe, les Africains ne connaissent pas arabe.
Ils récitent en arabe, quand, mais ne connaissent quand pas tu l'arabe. L'étudies, tu vas connaître. Ah. Écoute, je t'ai posé Allah lorsqu'il viendra sous la forme, lorsque Allah va venir sous la forme humaine, ça sera où? Tu es né français? Lorsque Allah viendra sur la terre comme humain, ça sera où? Moi, je n'ai pas lu le verset. Moi, je vais chercher le Coran là. Moi, je vais lire le verset. Et moi, là où il va venir, il va se présenter sous la forme humaine là. Moi, je vais te dire ça. D'accord? Donc, c'est moi qui t'ai appelé. Mais non, c'est pas toi qui m'as appelé. Donc, c'est moi, j'ai l'opportunité. C'est moi qui t'ai intéressé. Et je t'ai appelé, j'ai enregistré ton numéro. Donc, si tu es intéressé, tu vas me programmer pour un autre jour. On va parler du Coran. Là où il y a contradiction, que toi tu dis là, on va discuter ensemble. Et on sera en train de lire comme on est en train de lire la Bible. Ah, écoutez. C'est comme ça se passe. Donc, tu ne connais pas comment est-ce qu'Allah viendra sous la forme humaine? C'est où? Moi, je t'ai donné rendez-vous pour te poser des questions. Et non, c'est pas toi qui m'as donné de rendez-vous. Non, attends. Je te dis ceci. Donc, tu ne connais pas quand est-ce que Allah viendra sur la terre. Ça, c'est, okay, je te dis, ça sera où? Tu me donnes un rendez-vous et tu m'appelles, ou bien je serai connecté à l'heure précise et on va discuter de ça. Actuellement, là, c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai interpellé. Tu ne sais pas. Ah, puisque tu sais, les musulmans, ça fait presque. On a grandi avec les musulmans qui nous posaient des questions jour et nuit. Lorsque tu lui poses une question dans son Coran, il ne sait pas répondre. C'est ça, les musulmans. Ils n'ont pas de réponse. Non, attends. Il y a quelque chose. Il faut qu'on se respecte. Tu m'as dit de me préparer, mes questions et je vais venir. Que je vais venir avec mes questions que tu m'as donné. C'est ça que tu m'as dit. Et tu m'as demandé l'heure à laquelle moi je serai disponible. Mais tu ne m'as pas dit que tu vas me poser des questions, de se préparer du côté de ma religion, et que tu vas me poser des questions. Non, c'est pas le rendez-vous qu'on s'est tiré. Moi, je ne peux pas te fuir parce que moi, je sais que là où je suis, là, je suis dans la vérité. Toi, tu es dans la bara. Tu ne connais même pas ce que tu as dit. Maintenant, puisque Allah lui-même va venir sous la forme humaine, c'est un homme. Et non seulement une fois, plusieurs fois, Allah va venir dans la forme humaine. Muhammad a parlé de ça. Muhammad a parlé. Dieu n'est pas un homme, ni le fils d'un homme. Non, il n'y a pas de verset qui dit ce que toi tu dis. Ah, c'est dans la Bible. Non, tu as coupé le verset. Ah, ils ont écrit quoi? Non, tu as coupé le verset. Ah, ils ont écrit quoi? Il faut me lire le verset entier. Non, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Toi, tu as coupé pour mentir. C'est ce que tu as coupé. Dis le fils de l'homme. Mais, pour se repentir. Mais il faut dire tout le verset. Il ne faut pas couper. C'est ça. C'est pas pour mentir. On a dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme. Pour se repentir. Ah, amen, c'est vrai, Dieu n'est pas un homme. Quand tu dis que Dieu est venu, Dieu est un homme là, Dieu est devenu Jésus là, Non, attends, calme-toi. Ah, c'est ça? Attends, la Bible dit Dieu est un homme de guerre. Dieu, c'est un homme. C'est écrit dans la Bible. Dieu est un homme. Un homme de guerre. Oui, c'est écrit dans la Bible. Et la même Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni le fils. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour mentir, mais il est un homme pour faire la guerre. Qui a créé l'homme? Attends. Il faut bien lire les Écritures. Dieu n'est pas un homme pour commencer à mentir. Maintenant, pour faire la guerre, Dieu peut venir comme un homme pour faire la guerre. C'est écrit dans Ésaïe au chapitre 42. Ésaïe 42. Tu peux aller lire dans Ésaïe 42, on dit que Dieu vient comme un homme. Hein? Ésaïe 42. Attends, je vais te donner ce verset-là. Je suis en train d'enregistrer tout ça. Lorsqu'on va terminer, je vais t'envoyer la vidéo.
dès qu'on termine. Comment voyez ça? Parce que toi, tu dis là-bas, je ne trouve rien de vrai dedans. Je ne trouve rien, absolument rien de vrai dans tout ce que toi, tu dis. Non, non, je suis en train de t'apprendre à lire. Là, on dit Dieu est un homme. On dit Dieu est un homme de guerre. Il vient comme un homme. Comme un homme. Nous sommes dans Ésaïe au chapitre 42. Je te donne le verset. Tu as la Bible, tu peux vérifier à côté. On dit ceci. On dit ceci au verset 13. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Dieu vient comme un homme de guerre. Il y a même une belle écriture que j'ai toujours aimée dans Ésaïe au chapitre 63. Il vient comme un homme. Ésaïe chapitre 63 au verset 1, on dit « Qui est celui qui vient d'homme de Botsra en vêtements rouges, en habits éclatants et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force ?» C'est Dieu qui dit « C'est moi qui ai promis le salut, c'est moi qui ai le pouvoir de délivrer. » On dit « Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme le vêtement de celui qui foule dans la cuve ?» Il dit « J'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. » Et puis, donc c'est Dieu qui vient comme un homme. Il a dit « Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. » Dieu est toujours comme un homme. C'est pour cela que même Muhammad a recopié le même verset ici, Ésaïe chapitre 63, il dit que Allah viendra comme un homme et les musulmans vont chasser Allah. Ils vont dire « A'udhu billahi, shaitani rajim, blablabla. » On ne croit pas en toi, on prend refuge à toi puisque toi, tu n'es pas notre Dieu. Tu es en train de raconter des conneries, tu ne connais même pas la chose là. Et tu es en train de dire. Je suis en train de parler de Muhammad. Muhammad a expliqué que la dernière fois que les gens vont voir Allah, ils vont le voir sous la forme humaine, les musulmans vont chasser Allah. Ils vont dire, tu n'es pas notre Dieu. Puisqu'il va prendre une forme. Tu ne connais même rien dans le Coran là. Non, le Coran, c'est un petit livre que j'avais lu en 2012. Il ne faut pas attirer la colère de Dieu sur toi-même. Je te donne un verset pour finir. J'avais lu le Coran en 2012 pour la première fois. Pour celui qui est. Et du Coran, là, il ne s'est pas avec lui. Je ne connaissais pas le Coran. Mais lorsque j'ai commencé à lire ça, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de mensonges dans le Coran. C'est pour cela que. Comme dans la Bible. Tu crois que c'est le Coran, c'est la Bible? Non, le Coran, ce n'est pas la Bible. Le Coran, c'est un livre qui a été écrit par Othman. Othman, le calife Othman. Et qui a écrit la Bible là? La Bible a été écrite par 40 prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs, scribes, 40. Oui, c'était des hommes que Dieu. C'était des hommes de Dieu. L'autre là, qui a écrit le Coran, c'est toujours un homme, non? Tu te discutes quoi là? Mais Othman. Toi, tu te dis comme vérité là. C'est un homme qui a écrit ça. C'est comme vérité là. C'est une révélation, mais c'est un homme qui a écrit ça. Où est le problème? Non, Othman avait corrompu le Coran puisqu'il avait brûlé les autres Corans. Qui lui a dit de brûler? La Bible est corrompue que le Coran. Dans la Bible, il y a plusieurs contradictions. Moi, tu peux te donner plusieurs même. Non. Le Coran, c'est un livre de correction. C'est pour cela, si tu lis le livre 15, verset 91, on dit que ceux qui ont fait du Coran des fractions diverses pour créer des doutes, ceux qui ont fait du Coran, donc ils ont corrompu leur Coran. Sourate 15, verset 91, ceux qui ont fait du Coran. Et pour lui, le verset, lui. Sourate 15, verset 91, on dit très bien que le Coran est corrompu. Sourate 15, verset 91, on dit ceux qui ont fait du Coran des fractions diverses, ceux qui ont morcelé le Coran, ils ont morcelé le Coran. Il faut terminer le verset. Les personnes qui ont rendu le Coran partiel, mon frère, ceux qui ont... il faut lire ce qui est écrit d'abord avant d'interpréter.
Non, C'est pas ton interprétation que nous voulons écouter. C'est ce qui est écrit, moi, sur là, que nous voulons voir. Et notre interprétation. Ton interprétation, c'est pour toi-même. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas ton interprétation du Coran que tu vas, qui va faire quelque chose. Sourate ça peut faire quelque chose pour ceux qui sont à la périphérie. Sourate Il faut lire ce qui est écrit d'abord avant d'interpréter. Oui, ce qui est écrit est là. Ceux qui ont fait du Coran des fractions diverses. Sourate 15, 91. Donc, il y a des gens qui ont... C'est fini. Oui, c'est fini. C'est fini comme ça, là. Oui, c'est ça le verset. Ils ont fait du Coran des fractions diverses. Hein? Mon frère. Donc, le Coran, c'est... Le Coran, c'est un livre corrompu qui a été corrompu par... par des gens comme... Pour toi. C'est le Coran qui dit qu'il est corrompu. Soit... quand il dit ça, là, c'est toi qui comprends ça comme ça, non? Mais c'est ce que dit le Coran. Oui, oui, c'est ce que moi, je comprends. Ah, donc ceux c'est ta compréhension. Qui ont fait du Coran des fractions diverses. Tu sais, nous mourrons tous. Et on va nous enterrer dans des tombeaux différents. Ou bien, ce n'est pas ta croyance qui va me sauver ici, ni ma croyance qui va te sauver là-bas. Donc, où est le problème? Donc, chacun est libre de choisir et de suivre les conséquences. Donc, il faut laisser le choix à chacun. Parce que chez nous, il n'y a pas, on a dit, nul contraint qu'en religion. On ne force personne à devenir musulman. Non, mais non. On va te dire, avant que tout le monde. Non, non, le Coran. Le jour, là, quand tu verras la vérité, là, tu sauras qu'on m'avait dit ça. Parce que, tu sais, il y a quelque chose. Soit c'est musulman, ou soit c'est chrétien. Les deux ne peuvent pas suivre la bonne voie. Non, la voie de Dieu, là, c'est unique. Ou soit c'est les musulmans, ou soit c'est les chrétiens. Donc, ne t'empêche pas, ne te dérange pas. Chacun est libre de ses choix et de ses coups. Écoutez, le Coran n'a jamais dit nulle contrainte en religion aux musulmans. C'est pour ça que tu as dit que tu avais lu le Coran, donc tu ne connais pas. Non. Le verset là, ça s'adresse aux juifs. Sourate 2, verset 286. Nulle contrainte. Sourate 2, verset 286. On dit nulle contrainte. Et c'est dans la Bible ou dans le Coran? Ça s'adresse aux juifs. Mohamed parlait. Et c'est dans le Coran ou dans la Bible? C'est aux juifs que Mohamed parlait. Il a dit nulle contrainte dans la religion. Il parlait. Est-ce que les juifs sont des arabes? Non, c'était des juifs. Mohamed leur disait nulle contrainte en religion. Nulle contrainte en religion. Et les juifs, ils veulent dire ça où? Mohamed a dit ça. Il a dit ça aux juifs, nulle contrainte en religion. Puisque... Ils ont écrit ça où que c'est pour les juifs, on a dit ça. Ils ont écrit ça où que c'est pour les juifs, on a dit ça. Mohamed a expliqué ce verset-là, dans les hadiths. Expliquez-le. C'est toi qui donnes l'explication-là. Non, c'est Mohamed lui-même qui a dit... C'est écrit où que c'est pour les juifs. Il a écrit que dans le Coran, est-ce qu'on a écrit que ce verset-là, c'est pour les juifs? C'est écrit dans les tafsirs. Dans les tafsirs. On a dit Coran, tu parles de tafsirs. On parle du Coran et tu parles de ta fille. Mais c'est Mohamed qui explique le Coran. Il a dit nul. Quand on est dans le Coran, là, il faut rester dans le Coran. Non. Il ne faut pas aller ailleurs. Attends. Tu dis non, c'est pour le Coran. Faut être honnête. Dis non, c'est pas dans le Coran. Tu ne crois pas dans le tafsir? Laisse le tafsir là. Laisse ce tafsir que Dieu a envoyé. Non. C'est tafsir qui est la révélation de Dieu. Donne le prophète. Donc, tu ne crois pas dans le tafsir? Est-ce que c'est la révélation là qui est tafsir ou bien c'est le Coran qui est la révélation? Donc, toi, tu ne crois pas? Les deux. On parle de ce que Dieu a dit, tu parles du tafsir. Hein? Les deux, puisque les musulmans nous font lire les deux. Ils nous disent que. Ce que tu m'as lu là, ils nous disent que. Pour comprendre le Coran. Souvent 2,95. De 256, on dit nulle contrainte en religion. On dit nulle contrainte en religion car le bon chemin s'est distingué de l'égarement.
Mohammed, il s'adresse. Ils ont écrit là-bas. Oui, c'est le juif. Ils ont écrit comment ils adressent les juifs là-bas. Oui, oui. Il parle de juifs. Il dit aux juifs, nulle contrainte à la religion, dans la religion des juifs. Ils ont écrit c'est aux juifs que ce verset s'adresse. Dans le tafsir, Mohammed a parlé. Et il y a... C'est tafsir là. Ne mentez pas. Lis ce qui est écrit. Est-ce que tu... On a parlé de révélation. Tu... Le Coran, c'est une révélation. Donc, ce que Dieu a révélé là, de ce qu'on a révélé au prophète, il l'a rapporté là. C'est ça qui est Coran. C'est ça qui est révélation. Okay. Donc, tu lis là, tu demandes ça, tu arrêtes dans ta cible. Puisque Mohammed a dit il faut tuer les gens qui ne croient pas en Allah. Il faut les tuer. Mohammed a dit ça. Donc, il y a la contrainte, dans la religion. Au temps de David, là, ils n'ont pas tué des hommes là. Non, ils n'ont pas tué personne pour la religion. Jamais. Ils n'ont pas eu de guerre là. Non, ils n'ont pas tué quelqu'un pour la religion. Ils ont tué quelqu'un pourquoi? Pourquoi ils ont tué les hommes au temps de David là? Mohammed dit, il faut combattre ceux Quelle est la cause? Mohammed a dit, il faut combattre ceux qui ne croient pas en Allah. Puisqu'ils ne croient pas en Allah. Ceux qui ne croient pas en Allah, il faut le combattre. Donc, il y a la contrainte dans la religion. C'est pour cela... Ce n'est pas au temps de Mohammed qu'on a commencé par faire guerre. La sourate de... Ce n'est pas le seul prophète qui est venu. On a fait beaucoup de guerre avant Mohammed. Donc, c'est ça, il faut laisser ça. Je te donne Marc 13, 32. Asbab al-Nuzul. Surat 256, Mohammed a expliqué que cette surat là, ça concernait les juifs, nulle contrainte en c'est religion. Faux, c'est faux, c'est faux ce que tu dis. On a dit, lorsque les Banu Nadir, on dit que c'était les juifs, il dit ceci, le prophète, ceux qui veulent partir avec les juifs sont partis. Ce que tu as cité là, c'est le prophète. Hein? Ce verset a été révélé à propos d'un homme des aides appelé Abu Hussein. Cet homme avait deux fils. Et c'est lui le prophète. Hein? Non. Ah. Donc on parle du prophète. Tu es allé parler des disciples. Écoutez, je suis en train de te donner les tafsirs là où Mohammed dit que nulle contrainte en religion, ça concernait les juifs. Maintenant, tu peux dire tout ce que toi tu penses. Ta réponse ne peut rien changer. Tu sais, donc ce que moi je te demande, c'est moi qui t'a appelé. C'est la question que moi je t'ai posée que tu vas répondre. Quand tu as besoin que je te réponds là, il faut que tu me programmes alors. Moi je veux préparer. Mohammed a dit. Donc pour le moment là, on est sur la Bible. Non. Et toi, tu as demandé, tu as allé parler de tafsir, de n'importe quoi. Moi je ne sais pas ce que tu as dit. Puisque Mohammed a dit, si quelqu'un ne croit pas, il faut le battre, le tuer, le combattre. Combattre ce qui est. Surat 9, verset 29, on dit... C'est à tout temps, ça c'est son problème. Donc c'est son problème. Est-ce que depuis moi, sont au pays là-bas, ils ont tué qui? Quel pays-bas? Chez vous, il n'y a pas de musulmans là-bas. Là. Mais ils ne peuvent pas nous tuer, on va les battre. Ils ont peur de nous. Il n'y a pas de musulmans là-bas. C'est une question que vous voulez poser. Il n'y a pas de musulmans là-bas. Où? Chez vous, là. Mais ici, nous sommes majoritairement chrétiens. Ils ont peur de nous. Si je pars au Pakistan, si je pars... C'est pas ce que vous avez dit. Si je pars... Si c'est un, là, même si le pourcentage est moins, là, je ne le vois pas. Il n'y a pas de musulmans là-bas. Il y a des musulmans. Très bien, tu as répondu à ma question. Est-ce qu'ils ont tué quelqu'un à cause de la religion? Depuis qu'ils étaient là-bas. Là. Ils ne peuvent pas nous tuer puisque nous sommes majoritaires. Ils ont peur de nous. Donc, il faut savoir que la religion ne dit pas d'aller tuer un innocent pour le fait qu'il a dit qu'il ne veut pas adorer Allah. Il a le libre choix. Parce que Dieu nous a créé. Il nous a envoyé sur terre pour l'adorer. Mais il nous a donné le libre arbitre. Donc tu es libre de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Comme tu es libre de suivre ta passion. Tu fais ce que tu veux. Mais au jour dernier, on fera de toi ce que Dieu veut aussi. C'est ça. Surat 9, verset 29. On dit combattez ceux qui ne croient pas. Là. Comme il y a des musulmans chez vous, et depuis qu'ils sont là-bas, ils n'ont pas tué un à cause du fait qu'ils ne prient pas ou bien ils ne vont pas à la mosquée là. Il faut savoir que c'est ici partout. Ce n'est pas... En son temps, là, la guerre, on a fait la guerre en son temps.
On a dit de tuer les mécréants, ceux qui ne veulent pas croire au verset de Dieu. On a dit de les tuer. C'est un ordre donné au prophète. Ça se limite seulement au combat. Mais pour nous aujourd'hui, est-ce que tu vois un musulman tuer quelqu'un à cause de quelqu'un qui ne veut pas adorer Allah? Non, il n'y a pas ça. Ah donc, il est sûr. Il n'obéit pas. Donc, tu es libre de faire ce que tu veux. Donc, vous n'obéissez pas au Coran? Quel Coran? Puisque le Coran vous dit de combattre, alors toi tu ne combats pas. Non, le Coran ne nous a pas ordonné, nous les musulmans, d'aller tuer quelqu'un. Mais là, le Coran te dit combattre. Toi, tu ne combats pas. Tu n'es pas un vrai musulman? Moi, je ne veux pas combattre. Ce n'est pas un problème. C'est forcé. On dit combattre ceux qui ne croient pas. Toi, tu me dis... Et depuis qu'ils sont là-bas, là, ils ont combattu qui? Donc, vous ne combattez plus? Donc, vous ne voyez pas au Coran? C'est ce qu'on a dit là-bas, là, ce n'est pas notre heure ici, là. Pour comprendre les choses, pas les choses. Tu as dit que au temps de Jésus, donc ce verset ne te concerne pas. Donc ça ne me concerne pas. Ça concerne ceux qui étaient avec le prophète et ceux qui faisaient la guerre là. Parce que c'est les mécréants qui voulaient les attaquer. Et on a dit que si vous attaquez en première position, attaquez-les. Non. Le Coran n'a pas expliqué ça ici. Je sais. Ah d'accord, c'est ça. Donc tu as pris la compréhension qui t'arrange. Moi je prends ce qui m'arrange. On sera jugé. Donc ton jugement n'est pas mon jugement n'est pas. Tu sais. Donc, c'est ce que moi compris. Attends, tu c'est sais. Pas à notre temps. Tu sais. Le Coran ne donne personne aujourd'hui d'aller tuer un innocent. Moi je te répète ça. Aujourd'hui la personne ne va pas se soulever. S'il y a personne qui va se soulever et va dire que il y a personne qui dit d'aller tuer mes clients. Quand il fait ça. Il va tout droit en affaire. En Afghanistan, on tue le chrétien. À cause de quoi? Il n'y a aucune église. Il n'y a aucune église en Afghanistan. Même en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. Ça fait un problème là-bas. Moi, je suis au Togo ici. Ça ne me concerne pas. Ils n'ont qu'à gérer ça. Ce qui Dieu va le réserver là, ça fait leur problème. Et je vais prendre les autres là. Pour me juger. Dieu va prendre le dessus des autres. Alors, c'est que je voulais te montrer ceci. Tu dois quitter. Tu ne veux rien me montrer là. La religion. C'est là. Je connais ça déjà. Dieu m'a envoyé sur terre. Quand je fais mal là, le compte est là. Quand je fais bien, le compte est là. Donc, au vu de ce que moi j'ai fait sur la terre là, on me portera un jugement. Donc, moi, je ne prends pas le jugement de quelqu'un pour aller taquiner les autres là. Non. Chacun est venu. Donc, nous sommes différemment quoi. Et on va nous enterrer dans des tombeaux différents. Donc, bon, ok. Ne mêle pas des problèmes des autres. Attends, chacun est libre d'adorer son Dieu je vais t'aider. À sa manière. Je vais mais Dieu fera de lui son jugement. Attends, je vais t'aider. Je vais t'aider. Puis je vois que tu... Attends, je vais t'aider. Rentrons dans la Bible. Allons dans la Bible. Allons dans la Bible, puisque je vois que dans le Coran, tu ne maîtrises pas bien le Coran. Retournons dans la Bible. Allons dans la Bible. Toi-même, tu ne connais pas. Donc, je ne veux pas aller là-bas. Notre débat aussi, ce n'est pas aujourd'hui, là, ce n'est pas sur le Coran. C'est pourquoi je ne veux pas rentrer okay. dans ça. Je vais te... Quand tu me programmes pour le Coran, là, je vais discuter avec toi sur le Coran. Non, les musulmans ne discutent pas sur le Coran. Ils fuient le débat. Il n'y a pas de contradiction dans la chose. On va discuter à cause de quoi. Écoutez. Notre Seigneur est puni. Notre Dieu, c'est Allah. Il n'y a pas de... Donc, c'est sur vous que Dieu devient homme, il devient ce qu'il veut. Donc, Dieu ne devient pas n'importe quoi chez moi. Attends. Achez-vous là. Je vais te poser la question. Je te pose une question dans la Bible. Que veut dire le mot incarnation, d'après toi? Il n'y a jamais... Je n'ai pas vu incarnation dans la Bible. Non. Je te pose la question. Incarnation veut dire quoi? Dans quoi? Dans le dictionnaire ou bien dans la Bible? Dictionnaire ou Bible, ça veut dire quoi? Hein? Même dans le dictionnaire, ça veut dire quoi? Ah, donc tu me poses la question dans le dictionnaire. Parce que moi, je n'ai pas vu l'incarnation dans la Bible. Non. Il n'y a pas incarnation. Non, je te pose dans le dictionnaire, incarnation veut dire quoi? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Non. Maintenant, si tu ne sais pas, et puis je ne suis pas pendant. Tu discutes avec moi pendant une heure, tu perds le temps pour discuter un mot que tu ne connais pas. Pour dire que tu ne connais pas. C'est toi qui as.
C'est moi qui a fait sortir le mot là. Donc, tu discutes pendant une heure sur un mot que tu ne connais pas. Je dis que, est-ce que c'est moi qui a fait sortir le mot ou bien c'est toi? Maintenant si tu ne connais pas, il faut te taire. Et je ne veux pas connaître, c'est pas fini. Non. Toi, tu as dit que il n'y a pas d'incarnation, tout ça. Maintenant, et puis, tu sais, l'incarnation, c'est quoi? Tu dis que tu ne sais pas. Si tu ne sais pas quelque chose. Il faut qu'on soit dans l'ordre. Entre moi et toi, là, qui a fait sortir le mot incarnation? C'est moi qui ai fait sortir ça. Donc, c'est toi qui connais l'incarnation, c'est toi qui as fait tu as fait sortir un mot et tu me demandes l'explication. Comment je peux expliquer ça? Maintenant, comment est-ce que tu as renié ce mot-là sans le connaître? Tu as attribué ça à l'éternel Dieu même. C'est ça que je dis. Que ce que toi, tu dis là, ce n'est pas dans la Bible. Que Dieu s'est incarné en la personne de Jésus là. Que ce n'est pas ce qui est écrit. Non. C'est ce que je refuse. Alors, c'est ce que je n'ai pas dit que le mot incarnation n'existe pas. J'ai dit que le mot, ce mot-là, c'est comme tu as attribué ça au Dieu créateur du ciel de la terre là. Ok. Maintenant, tu connais ce, en français ce qu'on appelle synonyme. Le synonyme de quoi là? Non, tu connais ce qu'on appelle synonyme. Oui, il y a les mots qui disent la même chose, mais ils n'ont pas. Les mots, il y a des mots qui disent la même chose. Ah, très bien. Tu as bien répondu. Si j'étais ton professeur de français, j'allais te donner un 9 sur 10. Ok? Maintenant, lorsqu'on dit à lui habite corporellement la plénitude, lorsqu'on dit corporellement, c'est synonyme d'incarnation. J'ai écrit où? Synonyme d'incarnation, c'est corporellement. J'ai écrit où? C'est quel dictionnaire qui dit ça? Allez, vous donnez le nom du dictionnaire là. Moi, je vais chercher dedans. C'est écrit dans la Bible. Quelle Bible? Faux. Dans Colossiens au chapitre 2 au verset 9, on dit que ce qui c'est moi je veux le dictionnaire qui dit que synonyme de incarnation c'est corporellement là. C'est quel dictionnaire qui dit qui t'enseigne ça? Le dictionnaire grec. Dictionnaire grec. Oui. Et c'est en grec ou bien c'est en français? C'est grec-français. C'est là que. C'est grec-français. Oui. C'est pour cela qu'on dit ceci, car c'est en Christ que la plénitude de la nature de Dieu habite incarnée. Le dictionnaire là, c'est grec ou bien c'est français? C'est du grec en français. C'est ça. C'est un dictionnaire grec-français. Il y a même ce qu'on appelle grec-anglais. C'est le dictionnaire de mots en hébreu. Tu sais qu'il y a dictionnaire anglais, non? Tu dis quoi? Il y a dictionnaire anglais. Ça veut dire que tous les mots qui sont dans ce dictionnaire, c'est uniquement en grec. Même la définition, c'est tout est anglais. Tu sais qu'il y a dictionnaire anglais, non? C'est comme la Larousse. La Larousse, c'est français-français. D'accord, c'est ce que moi j'ai dit. Donc, la rouge, donc tu parles là. Donc, c'est uniquement que français, non? Ils ont écrit là-bas, non? Oui. Mais il y a aussi le dictionnaire, il y a le dictionnaire aussi français-anglais. Maintenant, dans le dictionnaire grec-anglais, grec-à français, on parle, dit que corporellement veut dire l'incarnation, incarné. C'est pour cela que Colossiens chapitre 2, verset 9, L'autre synonyme, on utilise le synonyme, on dit que la plénitude de la nature des dieux habite incarnée en Jésus. Colossiens 2:9. Et puis, attends, à la Bible, on dit que le Logos s'est incarné. Au chapitre 1, verset 14, le synonyme que de la parole, c'est la parole s'est faite chair, se fait chair. Le Logos, là, c'est quelle langue? En grec. Tu lis la Bible en grec totalement en grec, ou soit tu lis ça totalement en français. Ne mélange pas les deux.
C'est comme si toi, tu me dis, je t'interdis de lire le Coran en arabe. Ce n'est pas correct. Tu peux lire en arabe ou bien en français pour Oui, expliquer à un moment. le Coran existe en arabe et le Coran existe en français, totalement en français. Donc, Alléluia. quand nous parlons français là, on parle, on, tout ce qu'on va dire, ce serait que français. Maintenant, moi aussi. Sinon, le mélange te trouble. Attends. Le fait que tu mélanges grec et français là, c'est ça qui te trouble dans ton cerveau là. Non, 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 attends. Notre Bible est venue en grec, c'est venu en C'est hébreu, faux. c'est venu en grec. Jésus même n'est pas, Jésus n'est pas grec. Donc Jésus, il est hébreu. Donc la révélation lui a été faite en Mais 100 langues. en Donc Israël, toi-même ne me trompe pas. attends, à l'époque de Jésus, on parlait grec en Israël. Je vais te donner Jean au chapitre 19, verset 20. On dit qu'on parlait grec. Jean au chapitre 19, au verset 20. Tu peux vérifier ça. Jean chapitre 19, verset 20. Jean 19, 20. Oui. OK. On dit voilà. Oui. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Et Oui. ils ont cité quelle langue après pour gens-là? Ils ont cité hébreu, grec et latin. Les autres là, elle était en hébreu, en Oui. grec et en latin. Oui. Ce sont les Et Grecs. Jésus-Christ même, il parlait quelle langue à ce temps-là? Lui-même, il parlait quelle langue? Et en Israël, on parlait les trois langues, hébreu, grec et Jésus-Christ latin. nous a parlé quelle langue? Jésus, lui, il est Dieu. Il peut parler toutes les langues. Mais toi qui connais Dieu, ton Dieu a son papa, ton Dieu a son papa, non? C'est l'incarnation. C'est pas biblique, ce que tu as dit, là, c'est pas Écoutez, biblique. Tu peux aller enseigner ça à l'église, tu sais, mais c'est... je sais pas chez moi ici, là. Écoutez, tout ce que tu dois faire, c'est de me prouver que Jésus n'est pas Dieu. C'est ça, il faut me demander. C'est Tu ça, as... il faut, je vais te donner le verset là, et tu vas voir que Jésus-Christ là. Il a dit qu'il n'a pas dit de sa bouche qu'il est Dieu. Il a... Jésus n'a pas dit de sa bouche qu'il est Est-ce Dieu. que tu as un verset où Allah a dit de sa bouche qu'il est Dieu? Allah. On n'est pas dans le Coran, on est dans la Bible. Écoutez, tu sais, le musulman, tu vois, lorsqu'il pose des questions, donne-moi un seul verset là où Jésus a dit de sa propre bouche, je suis Dieu, adorez-moi. Moi aussi, je le pose des questions. Donne-moi un seul verset du Coran là où Allah a dit de sa propre bouche, je suis Dieu, Non, adorez-moi. non, non, Le verset là c'est pas n'existe pas ça. dans tout le Coran. Faut pas te troubler. Tu te troubles trop. Tu te mélanges dans ta tête Il ici, n'y a là. aucun Jésus n'a verset jamais du dit. Coran. Là où Allah a Jésus dit. n'a pas dit. C'est vous qui dites de Jésus qu'il est Dieu. Non, Lui-même, de sa propre bouche, Jésus a jamais dit, dit qu'il est Dieu. Jésus a dit qu'il est Dieu. Il a dit qu'il est Dieu. Oui. Jésus, il a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Non, attends, attends. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, la première fois, lorsqu'il était né de Marie, à cette époque-là, lorsqu'il s'était Oui. rabaissé, il s'était humilié. C'était un homme. Il était un homme semblable à nous. La Bible dit qu'il était un homme. Mais Jésus n'est pas un homme Je semblable à nous. refuse pas. Je refuse. Comme il est devenu homme là, il est toujours Dieu. Comme il était devenu homme, il ne faut pas dire comme il est devenu. Il était devenu homme, non? Il était au passé. Il était homme, non? Oui, il était homme. À ce moment, il était encore Dieu là. Non, il n'était pas Dieu, il s'était fait homme. Homme. Et Bon, cela veut dire qu'il... au moment où il était homme là, Oui. il priait qui en haut là-bas Il priait son père, puisqu'il nous montrait là? l'exemple. D'accord, je dis. Donc Jésus-Christ sur terre, en tant qu'être humain, priait son Père qui est dans les cieux. Vrai ou faux? Oui, c'est ça.
Où est débat encore là? Yeah, c'est ce que je dis. Il priait son père, il appelait Dieu. Et Dieu appelait aussi Jésus Dieu. C'est Donc, ça, c'est pourquoi il dit, le père sur a. terre là, sur terre, soyons clairs, sur terre là, Jésus-Christ en tant qu'un être humain adorait son Père qui est dans les cieux, vrai ou faux? Et le Père aussi adorait le Fils. J'ai écrit où? Hébreux au chapitre 1. Que le Père adore le Fils. Oui. Le Père adore le Fils. Hébreux au chapitre 1. Ok. Verset combien là? Va, Hébreux chapitre 1. Le premier verset, ou bien tu dis, c'est fini. Il y a plusieurs versets là. Oui, je suis en train de te donner le verset. T'en fais pas. Puisque Jésus, il appelait son Père Dieu, et Dieu appelait aussi le Fils Dieu. C'est la même personne. Dieu Hein? appelait qui? Au verset 8, Hébreux 1, 8, Hébreux chapitre 1, verset. Verset 8. Hein. Oui. Oui. Mais il a dit au Fils, Oui. ton trône, ô Dieu, est éternel. Oui. C'est quel Dieu? Qui parle là-bas? Non, non. Lorsqu'il dit au Fils, il appelle le Fils Dieu. Ça veut dire quoi? On dit ton trône, ô Qui est en train Dieu. de parler? Mon mère, il a dit au fils. Qui est en train de parler? C'est quel Fils? Non, 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 je vous m'arrête là. Mais il a dit au fils. Donc, il a dit. Donc, il a dit au fils. Oui. Ou bien, c'est pas ça. Oui. D'accord. Il a dit au Qui est en Fils. train de parler à son fils? Qui est le Père de Fils? Qui est en train de parler à son fils? C'est Dieu. C'est Dieu, non? Oui. D'accord. Il disait à son fils que ton trône, Yeah. ô Dieu, est éternel. Ou Oui. bien c'est pas ça? Oui. Donc le père appelle fils Dieu et le fils appelle son père Dieu. Donc les deux s'appellent Dieu. C'est pour dire que comme Dieu a dit que je ne donnerai pas ma gloire à une autre personne, c'est Dieu qui parle à la deuxième personne ou bien à la troisième personne. C'est pour cela que Donc, Allah. ça veut dire qu'ils sont deux là. Non, non, c'est la même personne. Comme Allah. Allah, Ah, ils sont deux, non? c'est C'est le ce premier qui est en train de parler, le deuxième, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, non? que je t'ai dit, c'est la même personne qui s'est C'est incarnée. pas la même personne. Je t'ai dit, il a dit au fils. Ça veut combien de personnes là-bas? Tu Une as dit que personne. c'est Dieu qui est en train de parler à son fils. Oui, c'est l'homme qui parle à son image. C'est comme moi, je parle. C'est écrit. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. Il ne transforme pas. C'est ce qui est écrit. Vraiment dit. Mais il a dit au fils. Qui a dit au fils? Le C'est Dieu le Père. Qui fils. a dit au fils? Le fils, Attends. là, c'est Jésus-Christ. Le fils, Et tu c'est. dis que c'est la même chose. C'est écrit où? Le Le fils. verset que tu m'as Oui. donné là. Ah. Il y a deux personnages, deux personnes dedans. Oui, les deux personnes là, c'est font un. C'est pour cela qu'il dit, moi et mon père, nous sommes un. Et ce n'est pas dans ce verset-là, ce n'est pas dans ce verset, le verset que tu m'as donné, là, on va analyser le verset-là ensemble. C'est dans ce. Le Père et moi, nous sommes un là. Ils sont un en quel sens? Est-ce que tu comprends dans ce verset-là? La Bible dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est Ah, la tu même comprends ça personne. comment? C'est la même personne. Tu comprends ça comment? Je comprends ça comment? Cela veut dire que c'est la même personne qui s'est incarnée. C'est ce que Donc, je ça veut te dire dis. que si on tue, on tue Dieu. Tu dis quoi? Ça veut dire que si on tue Jésus-Christ là, on tue Dieu. Donne l'écriture, c'est écrit où ce que tu dis? Au moins, c'est une question que moi je suis en train de poser. C'est pas qui quelque part, c'est une question que moi je suis en train de poser. Puisque Comme tu as dit que Jésus est Dieu, son père, vous et posez. je te demande là, tu comprends ça comment? Parce qu'il y Attends. a une compréhension de choses. Il a dit comme ça, je ne l'ai pas dit, Jésus-Christ a dit que Dieu. Et moi, là, ils sont un. Il a dit ça. Mais toi, tu comprends ça comment? Je comprends que Dieu, c'est Jésus. C'est faux. Mais c'est ça.
Moi et mon père, nous sommes. Hein? Je vais te montrer ça. Non, 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 non. Attends, prise-toi. C'est comme c'est pas qu'il paraît, non. Oui. Dieu, Jésus-Christ paraît qu'il dirait que Dieu, mon père et moi, nous sommes un. Ça veut dire qu'il ordonnait ce que Dieu ordonne, détestait ce que Dieu déteste. C'est écrit où? Il accomplit Attends, la volonté de allez, Dieu attends, tout seul. attends, attends, c'est écrit où ce que tu dis? Tu me demandes ce qui est là. D'accord. C'est ma compréhension de la chose. Et ne me demande pas si c'est écrit où. C'est C'est ton toi, tu as lu, tu as lu, tu as compris ça à ta manière. Moi, j'ai lu, j'ai compris à ma manière. Non, non, non. Tu ne donnes pas Donc, ton je nom. vais exprimer mon explication ou bien ma compréhension de la chose. C'est ton Écoute-moi ça d'abord. opinion, ça. C'est ce que moi, je comprends de la chose. Et je t'ai demandé comment toi, tu comprends ça. Tu as dit que tu comprends que Dieu est encore Jésus-Christ. Non. Et je t'ai accusé. Mais ne donne pas ton opinion. C'est pour cela Allah vous a dit, si vous ne comprenez pas le Coran, venez chez nous les chrétiens, on va vous expliquer. Sourate 10, verset C'est faux, 94. c'est faux. Tu connais quoi dans le Coran là? Je t'ai posé une question. Tu dis que Jésus-Christ et Dieu, ils sont un. Ils sont un en quoi? La Bible dit ils sont un. Il ne faut pas ajouter, il ne faut En pas quoi? retrancher. En quoi? En quoi ils sont un? La Bible dit ils sont un. Il ne faut pas ajouter. D'accord. Il ne faut pas retrancher. D'accord. Quand je frappe Jésus, je frappe Dieu. Il faut me donner l'écriture là où on dit, quand je frappe Jésus, je frappe Dieu. Il faut donner cette C'est moi écriture. qui te pose la question. C'est moi qui te pose la question. Si je frappe Jésus, là, je frappe Dieu. Non, non, il faut donner l'écriture. Il faut donner. Oh, mon frère. C'est lorsque C'est moi Jésus. ma question. Ma question va s'inscrire au temps de Jésus-Christ. Moi, je suis en 2023. Jésus-Christ avait écrit bien avant, des années avant. Moi, tu me demandes, ma question serait déjà écrite au temps de Jésus. Moi, je pose la question. Tu me dis, la question serait déjà écrite là-bas. Non, 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 puis toute question que tu poses, il faut que ça soit basé sur l'écriture. Ne pose pas de questions. Comment je vais poser la question, ça va se baser sur l'écriture. Comment tu veux, je te demande, est-ce que si on frappe Jésus là, on a frappé Dieu? Si tu poses une question, il faut me donner aussi l'écriture. Nous ne parlons que sur ce qui est écrit. On ne parle pas de nos propres raisonnements. On ne parle que sur ce qui est D'accord. écrit. Au temps où on a attaché les poteaux sur Jésus-Christ là, on voulait le crucifier là. On a crucifié Dieu ou bien c'est Jésus qu'on a On a crucifié. crucifié Jésus. C'est pour cela qu'il a dit ceci. Philippiens chapitre 2. C'est pas Dieu qu'on a crucifié. Non, non, attends, attends. Tu me poses une question. Ah, Donne le temps que je c'est puisse pas Dieu qu'on répondre. a crucifié. C'était un C'est homme. pas Dieu. Un homme. C'était Dieu ou bien c'était un homme. C'était un homme. Ah, c'est pas ton homme là qui fait un avec Dieu là. C'est qu'il a dit que moi et mon père, nous sommes un. Et puis, il avait dit à Ils la sont croix, un, je ne dis à pas. la Le croix, temps où on attends, a écouté, le attends. temps où on a crucifié Jésus là, on a crucifié Dieu. Et tu te souviens de là où il avait dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu te souviens de ça? Ah, c'est parce qu'il n'est pas Dieu. Non, Quand tu. s'il était Dieu là, il ne va pas dire que mon Dieu, tu m'as abandonné. Pourquoi tu m'as abandonné? Lorsqu'il était C'est sur. parce qu'il n'était pas Dieu. C'est pourquoi il a dit ça. Il était homme. Il s'est fait C'est homme. ça que je dis. C'est. Est-ce que si, au temps où on est en train de crucifier Jésus, homme là, est-ce que c'est Dieu qui a crucifié? C'était un homme. Tu répètes C'était la un même homme. question. Tu es en train de Oui, répéter. c'était un homme. Tu es en Maintenant, train. ici, ils sont un tel que toi tu le dis là. Ça veut dire qu'au temps où on crucifiait Dieu là, Jésus là, ça veut dire que c'est Dieu qui a crucifié à ce moment-là. Non, non, c'était un homme qu'on a crucifié. Ah, Tu es en donc, train ils sont de. un comment? Ils sont un comment? Il faut expliquer le Tu es verset en là. train de répéter la même question Oh non, plusieurs non, fois. c'est comme ça tu m'amailles les gens. Ah. Il faut expliquer, ils sont un là, il faut expliquer ça. Jésus, c'est l'incarnation de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Je ne veux pas. Moi et mon Donc, Père, nous sommes un. autant qu'on est en train de crucifier Jésus là, on est en train de crucifier Dieu. Lorsque Jésus était en train de mourir sur la croix, la Bible dit qu'il a porté nos péchés. Il mourait à notre place. Lorsqu'il mourait sur la croix, c'était nous qui mourions avec lui. C'est pas la question que vous m'avez posée. Non, non, c'est ça la réponse que je te donne à la question. Puisque tu as Non, posé non, la question non, non. plusieurs Ce que fois. j'ai demandé, c'est que toi, tu peux n'avoir rien à voir de commun.
Puisque lorsque Jésus était à la croix, il a porté nos péchés. Et puis il a dit, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Donc, à la croix. Il n'est pas Père. Il n'est pas Dieu. C'est pourquoi il a dit ça, non? Mais toute la vie de Jésus sur la terre, c'était un homme. Il est né comme un homme. C'est ça que je dis. C'est ça. Il est devenu, quand est-ce qu'il est devenu Dieu, là? Non, il n'est pas devenu Dieu. Il est devenu homme. C'est Dieu qui est devenu homme. Là, quand est-ce qu'il est reparti sur sa divinité? Parce qu'il est devenu homme. Il est resté sur homme, là, ou bien il est encore reparti sur sa divinité? Jésus, il est Dieu d'éternité en éternité. Maintenant, il y a deux fois. Dieu est devenu homme, non? Dieu, de chaque fois, il vient comme un homme. Beaucoup de fois. Je ne refuse pas. C'est pour cela que je t'ai dit. Pas. Attends. C'est moi, pour, je ne refuse pas. Je t'ai dit. Attends. Jésus. Sois patient. Donne-moi le temps de te répondre. C'est pour cela que je t'ai dit ceci. Lorsque je te clouais, j'étais en train de te dire qu'Allah vous vient aussi comme un homme. Pourquoi est-ce que Allah vient comme un homme? Tu ne comprends pas, tu ne comprends pas rien là-bas. Il faut laisser le Coran. Non. Pourquoi est-ce que Allah vient comme un homme? Ce que notre débat aujourd'hui là, c'est pas sur le Coran. Non. Moi, si je débat avec un musulman, puis tu veux, si tu viens, maintenant tu viens avec brutalité. C'est comme, tu sais ce que toi tu fais là. Si tu n'as pas de réponse là, tu commences pas à aller dans le Coran, je ne sais pas comment il va dire là. Puisque je n'ai pas. Il faut rester dans ce qu'on appelle là. Attends. Tu as dit qu'il faut un en quoi? Il était sur terre, il est homme. Maintenant, il est redevenu encore Dieu ou bien il est resté sur homme là. Dans mon expérience, je n'ai jamais vu un musulman qui connaît le Coran. Je n'ai jamais croisé un seul musulman. Alors, si un musulman vient... C'est toi qui connais, non? Je connais le Coran plus que ton imam. On ne veut pas que tu sois le plus connaisseur du monde, ce n'est pas là le problème. Yeah. Ce que moi, je te pose comme question là, Jésus-Christ, Dieu est devenu un homme en la personne de Jésus, non? Il est resté comme ça ou bien il est encore devenu Dieu? Lorsque Allah viendra comme un homme, il va rester comme un homme ou bien il va redevenir Allah? Mon frère, tu n'as pas de réponse. C'est pourquoi tu fais ça? C'est, tu n'as pas de réponse. C'est la question que je te pose. Lorsque Allah vient... Tu me poses la question. Puisque moi, je t'ai répondu et tu m'as dit de me préparer pour poser des questions. Tu m'as dit de se préparer pour te poser des questions. Que toi, tu es un enseignant biblique. Oui. Donc, je suis en train de poser des questions. Là, tu es passé à côté. Alors, c'est ce que je te donne. Jésus, il Marc s'est incarné et Allah aussi a recopié Jésus. Allah s'est aussi incarné. Hein? Je te donne Marc 13, 32. Non, on termine d'abord avec ça et puis on va dans un autre verset. Moi, je me suis préparé avec mes questions là. Non. Ta question là. Moi, je te pose la question sur l'incarnation de Allah. Lorsque Allah s'incarne, moi, je ne connais aucun musulman en Afrique qui maîtrise son Coran. C'est pour cela qu'ils aiment toujours poser des questions dans la Bible. Maintenant, pour aider les musulmans, nous sommes là obligés de les aider dans le Coran. C'est pas ça là. Attends. Il faut chercher là où il y a ton bonheur. Non. Laisse les autres dans leur peau là. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Non. D'accord, ne mentez pas aux gens. Donc, tu veux me dire je te donne Marc 13, 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Oui. Et puis Marc 13, 32. Oui. Et puis est-ce que Jésus sait toutes choses? Oui, Jésus sait toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Est-ce que Dieu sait toutes choses? Il faut me poser la question de te donner l'écriture. D'accord. Tu dis que Jésus sait toutes choses, non? Pourquoi il dit ici qu'il ne sait pas quand est-ce que le monde finit? Ok. Tu peux lire dans Jean au chapitre 16. Non. Verset que le verset arrière, bon, Marc 13, 32. Il faut lire le verset d'abord. Avant de courir pas aller à droite. Oui. Dans Marc, Jésus dit ceci.
Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne connaît, ni le Fils, ni les anges. Il parle en parabole. Quelle parabole? Ils ont écrit parabole là-bas. Mais c'est parabole qu'il parle. Ils ont écrit parabole là-bas. Jésus parlait. Ce qui est écrit, moi, je ne sais pas. Jésus, même là, il dit qu'il ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Non, non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, personne ne le sait. Ni le Fils, ni les anges du ciel. Non, non, non. Le non, Père non. seul. Attends. Il faut t'apprendre. Jésus n'a pas dit qu'il n'est pas la fin. D'accord. Et à qui le Fils ici là? Hein? Qui est le Fils ici là? C'est ce que je te dis, c'est une parabole. Oh. Et qui est en train de parler là? Hein? C'est Jésus qui est en train de parler. Qui est en train de parler? C'est Jésus qui est en train de parler. Il a dit quoi? Jésus a dit qu'il connaît toutes choses. Il a dit ici, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Oui. Ni les anges dans le ciel. Oui. Ni le Fils. Mais le Père seul. Oui. Mais le Fils, là, c'est qui là? Mais tu es en train de poser la même question plusieurs fois. Je suis en train de te dire. Comment? Je suis en train de te dire ceci. Hein? Jésus est en train de parler en parabole. Il a répété la même pensée dans Matthieu chapitre 24, verset 36. Il dit ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni l'ange des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et puis, c'est ça? C'est le jour de quoi? Le jour où le monde finit. C'est écrit où? Il faut lire le verset qui est en terre là. Non. Où est-ce que le monde finit? Ça là, c'est écrit ça. Voilà, le ciel et la terre passeront. Oui. Ils passeront où? Où est-ce qu'on a écrit le jour où le monde finit? C'est ce que je te demande. Je te pose la question. Ça veut dire quoi? Pour ce qui est du jour ou de l'heure, ça veut dire quoi? Où est-ce qu'on a dit le jour où le monde finit? Non. Comme toi, tu ne comprends pas là. Hein? On a dit, le ciel et la terre passeront. Oui. 31 là. Hein? Luc 13, 31 là. Ce qui est en haut, il faut lire ça d'abord là. Hein? Écoutez. Je suis en train d'ouvrir ton esprit. Je vais ouvrir ton esprit pour t'apprendre. Quel esprit? Toi, tu vois ce qui est blanc, tu dis que c'est mal, moi, je vais te suivre. Ah. Toi, tu ne sais pas. Jésus. On a dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, il faut expliquer le verset. Il faut pas expliquer. Jésus. Tu as dit que c'est parabole, mais il faut expliquer ça. Ah, Jésus parlait en parabole. C'est ce qu'il a maintenant expliqué. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Tu as écrit où que Jésus parlait en parabole? C'est écrit où? Que Jésus parlait en parabole, là, c'est écrit où? Dans Matthieu, chapitre 13, on dit Jésus parlait en parabole. Non, tu prenais dans Luc 13, 32, là, pour me montrer la parabole, là. Dans Matthieu, au chapitre 13, il explique ce qui se passe. Ah, c'est ça! Donc, tu me disais, pour ce qui est du jour ou de l'heure, où le monde finit, là, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ah, ok. Tu me demandes où le monde finit là, c'est écrit où? Maintenant, toi, tu veux expliquer, tu dis que c'est parabole. Parabole là, c'est écrit où? Dans Jean 13, dans Marc 13, 32, là, c'est écrit où? Parabole là. Donne-moi. C'est comme ça? Tu parles beaucoup. Donne-moi 30 secondes, je vais répondre. Donc, il faut rester dans le verset là, il faut rester dans ce verset que tu as donné, il faut expliquer. Donne-moi 30 secondes, je vais répondre. Et je te donne 30 secondes. Ok. La réponse est là. Ce que Jésus parlait dans un verset, il explique ça dans Jean au chapitre 16, au verset 30. On va lire ce que la Bible nous dit dans Jean au chapitre 16, au verset 30. On nous dit ceci. Mais nous savons que tu sais toutes choses. Donc ici, on nous montre que Jésus connaît toutes choses. Jean au chapitre 16,
au verset 32, Jésus connaît toutes choses. Et je vais te donner... Je t'ai demandé 30 secondes, mais tu commences à m'interrompre déjà. Tu prends comme mon... tu es parti ailleurs, tu as cité un autre verset. Moi, je sais pourquoi, moi je réplique. Je n'ai pas dit d'aller citer verset. Non. Un autre verset. Non. Verset dans Marc 13, 32. Oui, c'est ça l'explication de Marc 13. Hein? La Bible, toute la Bible s'explique. Toute la Bible. Si tu... Jésus savait tout seul du monde. Hein? Oui. Il connaissait tout seul. Jésus savait tout seul du monde. Pourquoi il a demandé à la sœur de Lazare où ils ont enterré Lazare là? Pourquoi est-ce que Allah a posé la question à Moïse? Pourquoi est-ce que Allah pose des questions à Moïse? Il demande, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et pourquoi est-ce que Allah a posé même la question à Iblis? Il a posé, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas prosterné? Pourquoi est-ce que Allah pose des questions? Non, c'est mon frère. Ce que moi je te demande, c'est pas ça. Je te dis. Non, Allah ne pose pas de questions. Non, Allah ne pose pas de questions. Il t'a posé quelque chose. Hein? Pourquoi est-ce qu'Allah pose des questions? Ce que tu dis que Dieu a posé des questions à Moïse, là, c'est dans la Bible, dans le Coran. Non. Ça, Allah a posé des questions même à Satan. Non, tu parles pour Moïse d'abord. Pour Moïse, c'est dans la Bible, c'est dans le Coran. Oh, vraiment. Hein? Donc, pourquoi est-ce que Allah pose des questions à Satan? Mon frère, qui ne comprend pas la phrase, hein? Je dis, hein, ce que tu as dit premièrement, que Allah pose des questions à Moïse, qu'est-ce qu'il a dans ta main là? C'est écrit dans le Coran ou dans la Bible? Non. Dans le Coran, tu ne sais pas? Non, c'est ce que tu as dit là, c'est écrit ou c'est dans la Bible ou dans le Coran? Il faut m'enseigner. Pourquoi? Allah ne pose pas de questions. Allah, ma question. C'est ça la question que je te pose. Hein? Non, ce n'est pas là ma question. Ta question est à toi, ma question est à moi. Ma question, c'est moi. Même dans le Coran, Allah parle. Dans le Coran. Pose la question. Oui. Dans le Coran. Il faut laisser Coran, on ne comprend pas Coran. Dans le Coran, Allah pose la question à Moïse. Laisse Coran. Pourquoi est-ce que Allah pose des questions dans le Coran? Il pose la question à Moïse. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Pourquoi? C'est dans le Coran? Oui, c'est dans le Coran. C'est ça qui te dit pas pour répondre à ma question? Oui, c'est dans le Coran. Allah pose la question à Moïse. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta main, Coran, Moïse? C'est parce que c'est le pourquoi Jésus m'a posé la question à la sœur de Lazare, où ils ont enterré Lazare là. Oui. Maintenant pourquoi est-ce que Allah pose la question à Moïse dans le Coran? Qu'est-ce qu'il y a dans ta main, Moïse? Pourquoi est-ce qu'Allah pose la question? Allah fait la comédie ou quoi? Est-ce que tu es sûr que Dieu regrette? Hein? Est-ce que tu es convaincu que Dieu regrette dans la Bible là? C'est écrit où? Genèse 6, verset 6. On a dit Dieu regrette. Oui. Tu peux lire ça? Oui, c'est pourquoi il t'a dit que toute la Bible n'est pas parole de Dieu. Non, il y a des hommes qui ont écrit là-bas. Ah. Donc. Oui, c'est ça. On dit que Dieu regrette. Est-ce que tu es sûr que Dieu peut me regarder? Non, il faut me donner l'écriture. Non, je te pose une question d'abord, non? Écoutez. Est-ce que Dieu peut me regarder? Si c'est écrit que Dieu peut regretter, oui, Dieu peut regretter. Mais, Dieu n'est pas omniscient. Maintenant, je te demande, donne l'écriture. Donne le verset. Non, tu me donnes ta position d'abord. Donne le verset. Sinon, c'est moi, il va te donner ma position. Dieu ne regrette pas. Hein? Ah, le Dieu de la Bible regrette. On donne le verset là où Dieu regrette. Dieu de la Bible regrette. Ah, le Dieu. Donne le verset biblique. Genèse 6, verset. Hein? Genèse combien? 6, verset 6. Tu peux lire ça?
Il faut lire là-bas, là. Non, non, tu peux lire. Tu as dit, Dieu regrette. Lis ça. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Où est et l'Éternel dit. Où est le mot regretter? Et laisse-moi finir. Ok. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Où est le mot regretter? Ah, je repentis là, c'est quoi? Mon frère, où est le mot regretter? Bon, repentir là, tu comprends ça comment? Oh, pardon. Tu as dit regretter, Dieu regrette. Où est le mot regretter? Oui. C'est comme ça. Donc, tu connais la définition des mots là. Tu connais synonyme des mots là. Mon frère, tu as dit regretter, Dieu regrette. C'est comme ça. Où est le mot regretter? Ah, tu ne vois pas le mot regretter là? Non, montre-moi. Ah, d'accord. C'est ça, il faut dire. Non. Soyons francs. Je me repens, ça veut dire quoi? Non. Je repentis, ça veut dire quoi? Non. Montre-moi le mot regretter, c'est ce que tu as dit. Ce que moi j'ai dit là, Dieu peut-il se repentir? Non, tu as dit regretter. Tu ne connais pas français, donc laisse regretter là. Tu peux repentir. Mon frère, tu as dit repentir ou bien regretter? Repentir là, regretter là, c'est la même chose. Non, attends. Tu as dit regretter, c'est le mot que tu as dit. Bon, repentir là, ça veut dire quoi? Je me repens de les avoir fait. Donc tu as dit que le mot regretter n'existe pas dans la Bible, hein, comme toi tu as dit, regretter. Il faut d'abord corriger ce que tu as dit, et puis comme ça on avance. Ah, d'accord, donc je vais me corriger, d'accord? Oui. Est-ce que je peux se repentir? Non, corrige-toi d'abord et puis on avance. Il ne faut pas dire comme si... Tu as fait une erreur, n'est-ce pas? Quelle erreur? D'utiliser le mot regretter. Ah, au temps où tu employais un carnation à la place de corporel là. Corporellement, là, c'est une erreur que tu avais fait. Puisque moi, j'ai des versets là où c'est écrit, puisque tu n'es pas en mode vision. Écris quoi? C'est une erreur que tu faisais en disant écoutez, corporellement. Montre-moi le mot regretter. Mon frère, je te pose la même question là. Au moins, toi, tu dis incarnation égale corporellement là. C'est une erreur que tu faisais ou bien tu interprétais ça? Je lisais en grec. En grec. Nous parlons en grec ici. Oui, on parle. Nous ne parlons pas en grec. Non. Écoutez, mon frère. Écoutez. Tu m'as dit que Dieu regrette. Montre-moi le mot. Est-ce que Dieu peut se repentir? Hein? Est-ce que Dieu peut se repentir? Tu me poses la question si Dieu peut se repentir. Oui. C'est ça ta question? Oui, c'est moi la question. Ah, ok. Je vais te répondre. Je te donnais un verset là où Allah s'est repenti. Surat 2, on dit que Allah, c'est lui le repentant. Allah se repent chaque jour. Surat 2, verset 37. Voilà. Ah, tu vois? Surat 2, 37. Allah se repent pourquoi? C'est pas ce qui est écrit. Il faut lire ce qui est écrit. On a dit Allah le repentant. Tu as dit Dieu ne se repent pas, mais Allah se repent chaque jour. Pourquoi? C'est pas ce qui est écrit. Il faut lire le verset comme j'ai lu pour toi. Il faut lire. Sourate 2, 32, on dit, puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Dieu agréa son repentir, car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Pourquoi est-ce qu'il y a il ne faut pas contourner, pourquoi il ne faut pas tordre les choses. Il faut lire ce que toi tu vois là. Oui, pourquoi qui a fait, qui s'est repenti, Dieu a accepté sa repentance. Adam s'est repenti et la Bible dit... C'est Adam.
Adam s'est repenti. Dieu a accepté sa repentance, non? Oui, et on dit Allah, il est repentant. Allah. Est-ce que c'est Dieu qui s'est repenti? Non. Allah, lui, se repent chaque jour. Repentant, il est repentant. Le repentant, là, c'est le repentant, tu ne comprends pas le sens des mots. Le repentant, c'est celui qui accepte les repentis. Non, on n'a pas dit accepter, on a dit le repentant. Oui, mon frère, on a dit Adam s'est repenti et a accepté sa repentance. C'est pas ce qui est écrit. Non, non. Cas, c'est lui. Non. On n'a pas dit. Je lis le verset. Le verset 2:37. Puis Adam, mon frère, tu vas te suicider avec le Coran aujourd'hui. Si j'entre dans le Coran, on a dit si le repentant. Si j'entre dans ton petit le repentant, Coran, là, ça veut dire que celui qui accepte le repenti des humains. Attends, si je mets mon pied dans le Coran, tu ne vas pas t'en sortir. Non. Ce que tu as lu là, le verset que tu as lu, c'est Adam qui a repenti et Dieu est le repentant. C'est lui qui accepte la repentance. Non, on n'a pas dit accepter. Il n'y a pas en arabe, il n'y a pas le mot accepter. On a dit il est. On ne parle pas arabe. Al-Tawba. Al-Tawba. Ce que tu as lu, l'arabe, je conseille. Oui, on dit repentant. C'est le nom d'Allah, Al-Tawba, le repentant. Il se repent. C'est lui qui accueille les repentis. C'est ça le repentant. Moi, tu m'as dit que. Est-ce que tu as d'abord commencé par mentir? Dieu regrette. Et puis tu as dit que est-ce que Dieu peut se repentir? Dieu regrette d'avoir créé l'homme sur terre. Maintenant, pourquoi est-ce que Allah se repent ici? C'est pas Allah qui se repent, c'est Adam qui se repent. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on Dieu. Dieu a accepté sa repentance. Non. On n'a pas dit accepter. Tu ajoutes le Coran. Tu commences à changer le Coran. Qui s'est repenti dans le verset que tu as donné là? Qui s'est repenti? C'est pas Adam qui s'est repenti là. Non, attends. Tu commences à changer le Coran. Le Coran dit que Allah, il est le repentant. C'est pas ce que tu as lu. Ce que tu as lu tout à l'heure, il faut relire ça. Hein? On a dit. Ce que tu as lu tout à l'heure là. Le repentant. Allah, c'est le repentant. Le verset n'a pas commencé par là. Tu as cité le verset. Tu as commencé par Adam. Sourate 2, verset 37. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles et Dieu agréa son repentir. Car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Qui s'est repenti dans le verset là? Adam s'est repenti. Et qui a accueilli là? Ça, attends. On n'a pas utilisé le mot accueillir. C'est toi qui ajoute. Qui a accueilli sa repentance? Oui, où est le mot accueillir? Ah, c'est toi qui as lui accueilli, non? On n'a pas dit. Allah a accueilli sa repentance, non? On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Il faut relire. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles. Oui. Et Dieu agréa son repentir. Qui a agréé sa repentance? C'est Allah. Et après, c'est Allah même qui s'est repenti là. Ou bien c'est lui qui a agréé. On a dit Allah, il est repentant. Repentant, c'est quoi? C'est mon frère. On a dit que quelqu'un s'est repenti et Allah a agréé sa repentance. Oui. Donc, pas car c'est lui le repentant. C'est lui qui accueille le repenti. Non. Tu ajoutes au Coran. Attends, si tu dis accueille le repentir, c'est toi qui ajoutes maintenant un mot au Coran. On n'a pas dit accueil, on a dit c'est lui qui a agréé sa repentance. Ou bien c'est pas ce qui est écrit. Non, on n'a pas dit c'est lui. Tu ajoutes le mot c'est lui qui a agréé. Tu ajoutes le Coran. Qui a agréé? C'est pas Allah qui a agréé. Oui. Et puis on dit. Tu dis quoi? Et puis on dit Allah. On a dit Allah a agréé sa repentance. C'est repenti. Non, tu es en train de changer le Coran puisqu'on dit ceci. Non, je ne change pas. On dit Allah, il est le repentant. Repentant. Oui. Oui, et après ça, il y a quoi là? Miséricordieux. Oui. Oui. Il est miséricordieux. Là, c'est bon, c'est Allah. Mais on dit, il est repentant. Pourquoi est-ce qu'il est repentant?
mon frère, il faut comprendre. Allah ne se repent pas. Dans ce verset-là, il faut bien lire. Il faut bien lire. Tu sais, nous ne sommes pas les mêmes choses. Peut-être toi, tu es en train de voir autre chose. Toi, tu comprends ça comme vous comprenez les versets bibliques. Le Coran n'est pas comme ça. On a dit que quelqu'un a présenté ses repentances et Dieu a agréé. Allah a agréé ses repentis. Qui dit que c'est Allah même qui est le repenti? Non, non, c'est le Coran qui dit. Le repentant et le repenti, là. Il sait pas qu'il y a différence entre les deux. C'est le Coran qui dit très bien que Allah, il est repentant. Le repentant, ça veut dire quoi? Hein? C'est à celui que l'on se repent. Il y a plusieurs versets du Coran qui disent que Allah est le repentant. Le repenti, c'est celui qui se repent. C'est ce que tu as dit, tu ne comprends pas le sens des mots. On a dit Adam se repent. Et Dieu a agréé. Allah a agréé. Donc, c'est Allah qui est le repentant, le miséricordieux. Donc, c'est Adam qui est repenti et Allah est le repentant. C'est à lui qu'on se repent. Non, attends. Allah, il est repentant. Cela veut dire qu'il peut se repentir. Se repentir. C'est faux, c'est pas le sens de repentant, ça. Mais mon frère, moi je lis ce que dit le Coran. Lorsque je lis le Coran, on dit que Allah est repentant. Donc Allah. Non, c'est pas ce qui est écrit. C'est pas le fait, ce que tu as cité là, c'est pas. Tu tordes le sens des choses. On a écrit aussi, toi tu dis autre chose. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi je te dis que tu me maîtrises, il ne faut pas aller toucher le Coran. Tu ne maîtrises rien dans le Coran. Il faut laisser le Coran pour. Mais vous pouvez dire tout ce que vous pensez du Coran. Le Coran est toujours sa parole, ce que Dieu a revu. Je t'ai dit que Dieu se repent dans la Bible. Tu dis que c'est faux. Allah se repent chaque jour et chaque nuit. Il est repentant. Non, c'est pas Allah qui se repent. C'est, mais on se repent à. Nous les humains, là, on se repent à Allah. C'est Allah c'est lui qui repent. Le repentant. Hein? C'est à lui qu'on se repent. Non, celui à qui on se repent, on ne l'appelle pas repentant. Le repentant. Non, c'est pas adjectif qualificatif. Vous pouvez chercher ça. Non, ce n'est pas adjectif qualificatif. C'est quoi? C'est un nom. Le miséricordieux, ce n'est pas adjectif qualificatif. C'est le nom qu'on a donné à Allah. Le miséricordieux, ce n'est pas adjectif qualificatif. Non. En arabe, on dit Al-Tawba. Al-Tawba, ce n'est pas adjectif. C'est le nom de Dieu. Allah, le miséricordieux. Allah a 99 noms imaginaires qu'on lui a donné. Non, Allah a 99 qualifications. Non, Allah a 99 noms imaginaires que les musulmans lui ont donné. Imaginaire, c'est où? C'est écrit où? Parmi ces noms-là, il y a le mot repentant, Al-Tawba. Al-Tawba, ça veut dire repentant. C'est à celui qu'on se repent. Le repentant, ça veut dire que c'est à celui qu'on se repent. Donc, tu vois maintenant, tu peux poser une autre question comme ça, je te libère sur Allah, comme il est le repentant. Pose une autre question. Il est le repentant, ça veut dire que c'est lui qu'on se repent. Non, c'est faux. Posez une autre question. Tu ne connais rien. Je t'ai dit, pourquoi dans la Bible, là, on a dit de boire de l'alcool si on a du problème? De boire l'alcool si on a des problèmes. Oui. Hein? Oui. Bon. Mais pourquoi est-ce que Allah, il a fait même une rivière d'alcool, plein d'alcool, de chanvre même. Pourquoi est-ce qu'Allah a créé ça? Où ça? Hein? Pourquoi est-ce qu'Allah, lui-même, il dit que l'alcool est très bon pour la vie et la santé? C'est où? C'est Allah qui a dit que l'alcool est très bon pour la santé. C'est où on a écrit ça? Mais toi, je vais t'apprendre beaucoup. Hein? Il faut donner le verset là, non?
Pourquoi est-ce que Allah est en train de louer l'alcool? Allah aime beaucoup l'alcool. Et c'est écrit où, mon frère? Dans le Coran. C'est faux ce que tu dis. Hein? Quand tu as le verset, il faut donner. Mon frère, est-ce que moi je te dis que je sens t'éprouver? Hein? Tu as le verset? Est-ce que je peux te dire quelque chose sans te prouver? Donner le verset. Sinon, moi, j'ai le verset là qui dit que si vous avez des problèmes, allez boire de l'alcool pour vous. Allah dit que l'alcool, c'est une très bonne chose. Et c'est quel verset là? Il faut donner le verset là. Aïe. Toi, tu es quel genre de musulman? Depuis que. Tu as fait combien d'années? Tu es musulman depuis. Tu es musulman depuis quelle année? C'est pas ton problème. Ça ne t'arrangera pas. Ça va amener quoi dans ta vie? Hein? C'est une question. Va t'amener quoi dans ta vie? Sourate 16, verset 67. Allah dit que l'alcool, c'est une bonne chose. Sourate 16. C'est faux. Sourate 16, verset 67. Il faut lire les écritures. Allah aime beaucoup l'alcool. C'est comme vous trompez les gens. Allah aime beaucoup l'alcool. C'est faux là, il faut lire l'écriture là. Qui dit ça? Sourate 16, verset. Attends, sourate 16, verset 67. Sourate 16, verset 67, il dit ceci. Allah dit, de fruits de palmiers et de vignes vin, vous retirez une boisson enivrante. Et un aliment excellent. Il y a vraiment là un signe pour des gens qui raisonnent. Hein? Dans l'alcool, là, le vigne, vous tirez une boisson enivrante. C'est un signe pour des gens qui raisonnent. C'est Allah qui est en train de louer l'alcool. Tout ce que tu as, tu dis là, il y a l'alcool dedans là. Il y a l'alcool où là? Boisson enivrante, c'est quoi? C'est ça que vous faites. Ils ont écrit l'alcool où là? Ce que toi tu as lu là, ils ont écrit l'alcool où? Attends mon frère. Boisson enivrante, c'est quoi? C'est pas ça que je demande. Tu as dit l'autre chose là, non? Non. Alcool là. Ils ont écrit alcool là. Boisson enivrante. Ne mentez pas sur le compte de quelqu'un. Oh. Ce qui est écrit là. Wait a minute. C'est pas. Boisson attends. Boisson enivrante, c'est quoi? C'est ça qui est alcool qu'on a écrit. Oui. C'est ça qui est alcool. Oui. Qui t'a dit ça? C'est écrit où? Oui. Boisson enivrante. C'est écrit où? Que c'est alcool. Sourate 16, 67. Ils ont écrit alcool là-bas. Oui, c'est écrit alcool. Boisson alcool, moi je suis blanc. Boisson enivrante, c'est alcool. Qui t'a dit ça? C'est écrit où que c'est boisson enivrante, c'est alcool. C'est écrit où? Mais mon frère, boisson enivrante, c'est alcool. Hein? C'est écrit où? C'est écrit où? Faut me donner là où c'est écrit que boisson enivrante, c'est égal à alcool. Parce que moi, je sais que dans le Coran, ils n'ont pas écrit dans ce verset que toi tu as donné, ils n'ont pas écrit alcool. Moi, je sais ça. Et toi, tu es parti, attends, je vais te prouver. En arabe, on a dit sakaran. Sakaran, c'est boisson alcoolisée. Sakaran, ça veut dire. C'est fou. Sakaran, c'est. Alcoolisé. C'est tout, tu n'es pas arabe. Tu sais ça, non? Tu n'es pas arabe, non? Mais mon frère, le mot arabe qu'on a utilisé, ça 40, c'est le même mot qu'on utilise pour le mot alcool. Non. J'ai dit, tu es arabe, tu as étudié arabe, tu connais la langue arabe. Moi, je suis linguiste, je connais beaucoup de langues sur la terre. Ne dites pas ce que vous pensez dans votre là. Lisez les écritures. Moi, je vais te lire, moi, je suis blanc. Ce que je t'ai dit là, moi, je vais te lire ça, moi, je suis blanc. Tu vas voir ça.
boisson enivrante. C'est de l'alcool, si tu ne sais pas. Non. Il n'est pas écrit alcool là-bas. Et le mot arabe, c'est sakaram. Il faut aller chez les arabes là. Moi, je ne suis pas arabe. Il faut aller chez les arabes, me dit ça. Et tu n'es pas arabe. Tu n'es plus arabe. Je ne suis pas arabe. Hein? Je ne suis pas arabe. Mais le Coran a été révélé en arabe, n'est-ce pas? Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est seuls les arabes qui vont adorer Dieu. On a dit le boisson enivrante dans le Coran. Enivrant, ça veut dire que tu deviens ivre. Ivre. Tu sais, là. Il ne faut pas interpréter, mon frère. Il ne faut pas interpréter. C'est toi qui Coran, dans ce sens-là. Tu sais. Celui qui a révélé, lui, c'est ce qu'il met dans tout ça. C'est toi qui. Ce qui est dans ta tête, là, c'est ça que tu dis. Ne trompe pas les gens. Écoutez. Allah dit. Le sakaran. Sakaran, c'est le boisson alcoolisé. Le mot arabe qu'on dit, c'est le mot alcoolisé. Tu peux même chercher le dictionnaire en arabe. Dictionnaire arabique. Le mot qu'on a utilisé, sakaran, c'est le même mot qu'on utilise pour faire l'alcool en arabe. Chez nous, l'alcool est interdit. Donc, c'est toi qui enseignes ça là-bas. Allah dit dans Surah. Allah dit ceci. Tu peux aller boire. Moi, je ne bois pas de l'alcool. Surat 1667 dit qu'il y a l'alcool. Allah, il aime les boissons alcoolisées. Les boissons. Non, c'est faux. Et puis, non seulement alcoolisées, enivrantes. C'est toi qui interprètes comme ça. C'est toi qui donne ton tête. Et puis, ce qui se passe dans ta tête, c'est ce que toi tu dis. Faut pas interpréter ce qu'on a écrit. Et puis je te donnais même le nom scientifique. On n'a pas écrit alcool là-bas. Le mot scientifique qu'on a donné dans le dictionnaire, c'est éthanol. Éthanol. C'est de l'alcool. Et c'est éthanol qu'ils ont écrit là-bas. Oui, on a écrit éthanol. Là c'est dans. On a donné ça dans les tafsirs. Le tafsir. On parle du Coran, tu parles de tafsir encore. Oui. Tu vas où juste? Puisque l'éthanol, c'est de l'alcool. Toi, tu ne sais pas là où tu es exactement. Hein? Tu ne sais pas là où tu es exactement. Je suis dans Surat. Attends. Tafsir là, c'est une révélation. Wait a minute. Je suis dans Surat. Dans Surat 16. Tu es dans Surat. Tu n'as pas été convaincu. Je suis dans Sourate 1667, là où on a dit que boisson enivrante. Allah aime les boissons enivrantes. Et ici, on nous dit que c'est l'éthanol. L'éthanol, c'est de l'alcool. Dans le tafsir. Qui vous a dit ça? C'est celui qui vous en sait pas. Voilà, Proverbe 31, verset 6. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Tu vois, c'est votre Dieu qui enseigne ça ou bien c'est votre Dieu qui enseigne cela ou bien c'est l'auteur de la Bible. Mais Allah a dit qu'il faut donner aussi les boissons enivrantes dans Sourate 16, 67. Sourate 16 au verset 67. Qu'est-ce que moi été posé là? Non, c'est pas ça que tu as fait. C'est pas la réponse que tu as donné. Sourate 16, 67, il dit des fruits de palmiers et de vignes. Ça vient de Dieu ou bien de celui qui a écrit la Bible? Maintenant, la sourate ici, ça vient de Dieu ou bien de Outman ou bien de Aïcha? C'est Aïcha qui a dit. Ça veut dire que si vous avez des problèmes, vous allez aller appliquer le Proverbe 31, verset 6 à 7. Mais maintenant, il va oublier sa pauvreté. Il va oublier sa pauvreté. Les peines et sa pauvreté là. Si quelqu'un boit, là, nous dans le christianisme, hein, Jésus-Christ lui-même, il nous a dit ceci, on doit boire le vin. Jésus lui-même a bu le vin et puis il nous a dit de boire le vin pour célébrer la Sainte Cène, le repas du Seigneur. Il a dit chaque fois que vous buvez de ce vin, de boisson alcoolisée,
lorsque vous buvez, vous vous rappelez de moi. Je peux boire, mais je ne vais pas m'enivrer. Je peux boire, par exemple, un verre ou bien un demi-verre, même un quart d'un verre. Je bois pour me rappeler de Jésus. Il n'y a pas de péché. La Bible ne nous interdit pas ça. Mais ici, dans Sourate 16, 67, Allah vous dit de boire les boissons enivrantes. L'éthanol. C'est faux. On ne boit pas de l'alcool. Ah, c'est toi qui danses. Mon frère. Le Coran n'a pas aimé ça. Mon frère, Sourate 16, 67, boisson enivrante, c'est quoi? C'est ton interprétation, c'est pas ce qui est écrit. Non. Boisson enivrante, c'est quoi? C'est toi qui connais ça. C'est toi qui connais ça en arabe, que toi tu dis que c'est alcool. C'est toi qui connais ça. Moi, je ne connais pas ça. Mon frère. C'est pas fini. Tu ne connais pas ça? C'est toi qui connais ça en arabe, que tu dis non. Non, tu m'as dit que tu ne connais pas ça. Quoi? Boisson enivrante, que c'est alcool là. Hein? C'est toi qui enseignes que boisson enivrante, là, c'est alcool. Non? C'est toi qui enseignes ça. Moi, je ne veux pas connaître ça. Dans les tafsirs, on a même dit que c'est l'éthanol. J'aime ce mot-là. Ça fait ton pouls. Tu peux aller boire. Tu ne veux pas boire là-bas et ça va rentrer dans mon ventre ici. Donc, tu peux boire chez toi là. Comme votre Bible vous recommande ça, notre Coran ne vous recommande pas. Non. Allah vous a recommandé. Allah vous dit très bien. C'est faux. Allah vous dit. Tu prends ce qui t'arrange. Donc, tu dis que tu connais l'arabe là. Tu interprètes. C'est toi qui interprète à ta manière. C'est comme ça, en fait, la Bible. Allah dit. Qui a oublié la Saül. Allah dit Sakaran. Allah dit Saül était âgé de point. Ah, qui a oublié l'âge de Saül? On va y arriver. D'abord, ici, nous voyons que Allah aime l'alcool. Mon forfait est en train de partir déjà. Hein? Saül était âgé de point. Ah, qui a oublié l'âge de Saül? Hein? Tu poses la question, tu dis quoi? Saül était âgé de point. Ah, qui a oublié l'âge de Saül? C'est Dieu ou bien c'est l'auteur de la Bible? Est-ce qu'on a dit que quelqu'un a oublié là? Ils ont pris point, ça veut dire quoi? Donc si on met point, ça veut dire on a oublié? Point, c'est combien d'âge? Non, si on dit point, est-ce qu'on a dit, quelqu'un a dit qu'on a oublié? Ça veut dire qu'il ne connaît pas. Non, lorsque Allah dit point, ça veut dire Allah a oublié dans le Coran? Il a dit il faut donner le verset là. Sourate, il faut aller réciter comme moi, je te révise. Saül était âgé de point. Lorsqu'il régna 2 ans sur Israël, il a donné 2 ans pour sa règne et il a oublié l'âge de sa propre créature. Ça veut dire quoi? Ok. Sourate 7, verset 153. Allah a aussi dit point. Sourate 7, verset 153. Allah a oublié ou quoi? Sourate 753. Sourate 7, verset 153. Ils ont commencé par Oui, Allah dit ceci. Ceux qui ont fait des mauvaises actions et qui se sont ensuite repentis et ont cru point. Allah a oublié? C'est faux, mon frère, c'est faux. Le Coran que toi tu as fait, c'est peut-être que c'est faux. Il n'y a pas point dedans. Ah! Donc, le Coran que j'ai ramassé ça ou quoi? Ou bien c'est moi qui ai écrit ça? Je ne sais pas. Toi, tu as cogné ce Coran. Je ne sais pas là où tu l'as cogné. J'ai 26 Corans. Quand tu m'as dit, mon frère, mon bien aimé, toi, tu n'es pas honnête. Tu m'as dit de préparer les questions que tu es. Tu es un enseignant. Mon frère. Quand on te pose la question sur la Bible, tu cours, tu vas dans le Coran. Ça, c'est enseignant là. J'ai 26 Corans. Nous ne sommes pas en train de faire du bas. Attends. Tu veux que moi, je devienne chrétien? Non. Tu m'as dit que lorsque c'est écrit point, donc on a oublié. Mais Allah a répété les mêmes points. Point. C'est les ambiguïtés que moi je veux dans. Sourate 7. La Bible n'est pas parole de Dieu. Non. Sourate 7, verset 153.
qui a oublié de compléter toi, ici en tant qu'un enseignant biblique. Non. Tu auras la réponse. Il faut dire que tu n'as pas la, la réponse, c'est fini. Tu auras la diarrhée aujourd'hui. Je te donne une autre écriture. Surat 9, verset 40. Il y a point. On est venu pour faire comparaison. Surat 9. Tu auras la diarrhée aujourd'hui. Surat 9, verset 40. On dit. Ce que tu m'as dit, tu es en train de déborder. Si vous ne lui portez pas secours, point. Qui a oublié le point ici? Alors, oubliez quoi? Tu es en train de déborder. Hein? Tu es en train de déborder. Mais écoutez. Les corbeaux auront la diarrhée. Tu vas regretter pourquoi est-ce que tu es venu ici. Pourquoi est-ce que Allah... Attends. C'est comme ça que j'enseigne un musulman. Il faut le frapper dans son corps. Si tu es un enseignant biblique, quand tu veux enseigner la Bible à quelqu'un, c'est pas que tu vas aller dans le Coran pour dire que c'est parce qu'on a dit ça ici. Non, c'est parce qu'on a dit ça là dans la Bible. Et la Bible et le Coran, qui est venu avant l'autre? Tu sais. Quelle révélation est venue avant l'autre? C'est la Bible. Donc, on te pose la question. Tu es un enseignant biblique. Non, tu vois... On te pose la question. Pourquoi ceci? Tu es parti dans quoi? Tu laisses l'explication et tu vas dans la comparaison. Nous ne sommes pas venus comparer. Toi, tu es là pour me répondre. Toi, tu veux m'enseigner la Bible. Ce que moi, les ambiguïtés que moi j'ai, je trouve dans la Bible. Je dis que ce n'est pas la parole de Dieu. Non. Tu es là pour m'enseigner. Au lieu de m'enseigner, tu es là. Tu vas dans la comparaison. En quel temps tu. Qu'est-ce que tu m'enseignes là maintenant? Tu m'enseignes la comparaison ou bien les paroles bibliques? Puisque tu vois, si un musulman vient, le musulman vient se moquer de la Bible, mais s'il vient apprendre. Je ne me moque pas de la Bible. Je dis bien que. Je n'ai pas dit que je me moque de la Bible. J'ai dit que qui a oublié? Ou bien pourquoi ils ont mis. Pour moi, ça me dit combien? Maintenant, lorsque Allah dit point, ça veut dire quoi? C'est ça la réponse. C'est ça la réponse que tu avais donnée, mais tu fais comparaison. Lorsque Allah dit point, Allah a aussi oublié ou quoi? C'est comme ça que tu enseignes les gens à l'église. Quand tu veux enseigner à l'église, tu amènes le Coran là-bas. Et ce n'est même pas tout, puisque tu vas voir que Allah ajoute beaucoup de parenthèses. Les parenthèses dans le Coran là. Qui a mis les parenthèses dans le Coran? Les parenthèses sont en arabe ou bien c'est en français? Qui a ajouté ça? C'est Dieu qui a ajouté ou bien ce sont les hommes? Il y a trop de parenthèses dans le Coran. Oui, je te dis quelque chose. Des points de suspension, des parenthèses, des paragraphes là, bidon, tout ça. Trop de parenthèses dans le Coran. Oui, c'est pour vous amener à comprendre. Alors, Paul, dis-moi pourquoi est-ce que Allah a mis les points dans le Coran et les parenthèses? Ah, tu as compris pour parenthèses là, non? C'est pour vous aider à comprendre. Tu as pris ce que j'ai dit pour parenthèse là. Parce que quand on met quelque chose en parenthèse, on nous a enseigné à l'école. Quand on veut expliquer quelque chose là, on fait parenthèse devant le mot là et on explique ça dedans avant de continuer. Et le point, en arabe ou bien c'est dans le Coran qui est en français là. Écoute. Maintenant, lorsque je te disais, il y a parenthèse dedans, ou bien c'est le Coran français, dans le Coran français, il y a parenthèse. Maintenant, le point, ça se trouve aussi dans le Coran arabe. Non. Pourquoi est-ce qu'Allah a mis le point? Moi, je t'ai posé la question en première position. Sois honnête. Je te dis. Seul était âgé de point. Ça veut dire quoi? Mais Allah a répété ça dans le Coran. Allah a répété le point dans le Coran. Je ne refuse pas que ce soit respecté ou pas respecté. Il faut m'expliquer. C'est moi qui ai posé la question en première position. Il faut expliquer pour toi. Moi, je vais expliquer pour moi. Mon explication, ça se trouve dans le Coran, puisque Allah a répété ça. C'est ça la réponse. Allah a répété c'est l'explication, puisque dans l'explication, on peut aussi comparer. Moi, je ne suis pas, hein? Je suis plus un fainéant.
On te demande quelque chose. On a dit pourquoi on a mis point. Tu as dit, on ne voulait pas mettre. C'est pourquoi on a mis point. Attends. Soit, on ne voulait pas que, on ne voulait pas donner l'âge. Ou soit la personne connaissait, mais il n'a pas, il a omis. Donc c'est un expert. Il dit que c'est parce qu'on a, on a oublié là-bas. C'est pas, c'est pourquoi on a mis ici. C'est pourquoi on a encore mis là-bas. Donne-moi une seconde. Donne-moi 30 secondes. Je t'ai posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a des parenthèses dans le Coran? Tu m'as dit que c'était pour l'explication. Nous comprenons. Et nous comprenons aussi que... Donne-moi. Je peux aussi lire un texte, par exemple, en français, que ce soit dans la Bible, dans le Coran, même dans n'importe quel livre. Lorsque je mets le 3 points, je peux comprendre que l'auteur, celui qui a écrit... Puisqu'il peut avoir ne pas vouloir montrer ou bien cacher quelque chose, puisque Dieu se cache. Dieu se cache. Puisque la Bible dit les choses cachées sont à l'éternel, les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Donc il y a beaucoup de choses. C'est ce qu'il fallait dire. C'est ce qu'il fallait dire. Non, attends. Attends d'abord. Il ne faut pas m'interrompre. Il ne faut pas m'amener à la raison. Non, il ne faut pas m'interrompre. Il faut pas. Puisque le musulman pose pour se moquer de la Bible. Il se moque de la Bible. Je reconnais que je t'ai ramené à la raison. Puisque dans le Coran, il y a aussi le point. Nous comprenons, il y a des choses que peut-être Dieu... Il y a beaucoup de choses dans la Bible que le prophète posait des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu dit, n'écris pas. C'est comme à Jean sur l'île de Patmos. Il a dit que j'ai entendu ce que disait le sept tonnerre. J'allais écrire ce que le sept tonnerre avait dit. Maintenant, une voix me dit, n'écris pas ça dans la Bible. Il faut sceller ça, puisque c'est une révélation qu'on va donner à la fin de temps. Il y a beaucoup de choses que, même Jésus dit, par exemple, que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous dire ça maintenant. Puisque Jésus avait caché. Il a dit ceci. Écoutez, il peut y avoir, quelqu'un peut écrire dans la Bible. Dieu lui dit, arrête-toi, ne dis pas ce que tu allais dire. Jésus dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais ce n'est pas le moment. Le Consolateur, lorsqu'il viendra, il vous annoncera. Et Jésus n'a même pas donné le nom du Consolateur. Donc, il nous a laissé en suspense, puisqu'il a dit qu'il va se révéler à nous dans la fête de temps. C'est pour cela que Dieu peut parler. Il cache quelque chose. Maintenant, les auteurs de la Bible, les gens qui lisent, par exemple, en hébreu, pour nous expliquer aux francophones, ils mettent les 3 points, que ce soit dans n'importe quel texte. C'est pour vous montrer qu'il y a une pensée qui est cachée. Mais maintenant, qu'est-ce que font nos frères musulmans? Pendant beaucoup d'années, eux, ils se moquent de la Bible. Or, c'est moi. Non, je ne veux pas. Non, laisse-moi. Non, je n'ai pas. Je ne parle pas de toi. Je parle de. Il y a beaucoup de gens comme. Non. Laisse-moi d'abord. Je vais te dire quelque chose. Oui. Au moment où je t'ai posé la question là, au lieu d'aller directement me donner l'explication que tu viens de donner là, tu es allé commencer par faire comparaison. Non, il fallait. Alors, ce qui n'est pas. La comparaison. Non, attends-moi. C'était pour attirer ton esprit d'abord avant de t'expliquer. Non, il ne faut pas commencer à en enseigner. Non, c'est la technique de Jésus. C'est moi maintenant qui t'a ramené à la raison. Pourquoi je dis ça? Jésus. Non. Jésus, il avait la technique. Lorsqu'il parlait aux gens, d'abord, quand on te pose une question, tu diras toi au but, tu vas expliquer. Mais quand la personne continue pas à te critiquer là, c'est en ce temps-là que tu vas aller en critique avec la personne. Moi, je t'ai posé une simple question. Tu vas aller commencer par faire critique. Elle a dit non, c'est pas ça. Il faut expliquer ta version avant que je ne te critique. Non. Tu n'allais pas comprendre. Pourquoi tu allais partir directement et dire non, que c'est pas ça, que ça ne se passe pas. Enseignement, là, ça ne se passe pas comme ça. C'est moi qui t'ai ramené à la raison maintenant, que de dire ta version de la chose. Ou soit c'est comme ça, comme tu viens de l'expliquer. Donc, comme tu as sauté les étapes, tu allais commencer par critiquer là. Là, ça n'arrange pas, c'est pas comme ça, on enseigne. Il fallait attirer ton attention. Non, c'est moi qui suis en train de te rappeler que non, maman, quand on te pose question là, il faut exprimer ta version de la chose d'abord. Quand la personne commence pas à te critiquer là, alors tu le critiques. Mais quand on te pose des questions, tu laisses la question là, tu allais
commencez pas à critiquer. Hein. Allez là, c'est tout comme si on ne veut pas se comprendre. Ah. Alors, moi, j'étais en train d'attirer ton attention. Ok, tu as une autre question? Pose toutes les questions. J'ai toutes les réponses. Puis Jésus a dit que... j'ai déjà eu satisfaction de ma réponse. Hein. Jésus a dit, vous, puisque tu sais, lorsque un chrétien pose la question à un musulman, le musulman va dire, on va parler de ça prochainement, je viendrai. C'est comme ça qu'il nous répond. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est toi-même qui fait mal la chose. Pourquoi je dis ça? Parce que au premier abord, tu as dit de préparer toutes les questions que moi j'ai à poser, que tu es là à répondre à mes questions. Ça veut dire que tu as délimité la guerre. Donc, on reste dans les bornes que tu as dit. Donc, si tu étais dit, tu as dit, on va faire débat. Donc, prépare-toi. Je vais te poser des questions. Et moi, je vais me préparer. Tu vas me poser des questions. Si c'était ce que tu avais dit là, je vais savoir. Ah, donc, je vais me préparer. Je devais avoir mes choses sous les pieds là. Écoute, mon frère. Tu vas me poser des questions. Je pourrais donner mon explication, ma compréhension de la chose. Non. C'est vrai qu'on ne peut pas être d'accord, mais chacun va donner son opinion. C'est ça, non? Mais maintenant, quelqu'un qui pose des questions ne pose pas comme toi. Celui qui pose des questions, tu poses une question, tu donnes à l'autre personne le temps de parler. Mais ici, tu vas remarquer, je vais t'envoyer ce que nous sommes en train de faire, la vidéo ici, je vais t'envoyer ça. Tu vas voir que tu as... C'est comme moi, je dis là, parce que quand moi, je pose des questions, je te donne un verset et je te pose des questions sur le verset là. Non. Au lieu de parler sur le verset, tu commences pas à aller à rien, c'est ce que moi, je refuse. Oui, parce que tu te moques de la Bible. Je ne me moque pas de la Bible, c'est la Bible. C'est ce qui est dans la Bible que moi je lis. Parce que la Bible dit que Jésus a été envoyé. Et Jésus même dit qu'il a été envoyé. Maintenant, vous dites qu'il est sur terre, il est homme. Les musulmans. Donc, il a fait dans les cieux. Ou encore le débat. Le débat est clos. Les musulmans se moquent de la Bible chaque jour. Jésus sur terre est déjà un être humain et il a son Dieu. Ou bien il a son père qui est dans les cieux déjà. Là, je préfère adorer son Dieu là que de l'adorer lui. Non, puisque les musulmans, eux, ils n'adorent pas Dieu. Ils adorent Allah. Ils adorent Allah. Oh. Allah, c'est une idole. C'est une idole de Quraysh. C'est pour selon cela. Toi, non. Allah, c'est une idole. Puisque. Selon toi, non. D'après le père de Muhammad, ses parents, lui. D'après le quoi, là? Les parents de Muhammad, tous ces gens-là. C'était des idolâtres. C'était des idolâtres. C'est écrit où que Allah, c'est idole. Dans les tafsirs. Ah, c'est le Coran. Moi, j'aime c'est les... C'est pas Coran, là. J'aime les tafsirs. Mais dans le... Tu n'aimes pas le Coran. Non, les tafsirs, c'est ce qui vient nous expliquer maintenant le Coran. Et les hadiths. Non, c'est pas ça. Et le Coran et le tafsir, qui est avant qui? Hein, le Coran et le tafsir? Qui est avant le Coran qui... et le tafsir, là. Non, qui est venu avant l'autre? Là? Non, les tafsirs sont venus après pour expliquer le Coran. Oui, le Coran était là déjà avant que le tafsir ne vienne. Les gens qui ont donné le tafsir, c'est eux qui ont même écrit le Coran. Je ne refuse pas. La révélation est venue avant qu'ils ont. Oui, c'est ça, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Ce que j'ai dit. Donc, alors tu vas me prouver dans le Coran qu'il y a une révélation de Dieu que Allah l'a fait. Donc, il faut donner ça, il faut donner la preuve dans le Coran. Bon, écoute. Parce que c'est le Coran qui est venu et Tafsir est venu expliquer le Coran. Ou bien c'est pas ça. C'est un conseil que je peux te donner. Lorsque tu veux parler. Oui. Tu veux poser des questions, ne viens pas avec l'esprit de moquerie comme les autres musulmans. C'est ce qu'ils font. Non. J'ai trouvé ça. Et tu sais, toutes tes questions là que tu as écrites, toutes tes questions, j'ai des réponses encore pires dans le Coran. Je t'ai montré que le Coran nous permet de boire de l'alcool. Ça nous dit d'aller boire de boissons enivrantes.
Sourate 16, 67. C'est le Coran. Nous sommes Allah est idole là. Il faut me donner le verset là. Non, non, c'est là où nous sommes. Non, 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 ce n'est pas un verset, c'est dans les tafsirs. Ah, donc c'est ça vient de ta tête seulement là. Tu dis quoi? Ça vient de ta tête. Non, les tafsirs des grands savants. Les historiens. Il faut donner le numéro du tafsir là. Ah, tu peux partir dans le tafsir à Al-Jalalayn Suyuti. Numéro combien là? Sourate 22, verset 52. Il y a Sourate dans sa tafsir là. Oui, oui. C'est le tafsir. Il y a Sourate déjà. Ah, oui, oui. C'est dans le Coran qu'il y a Sourate, non? Non, non. Le tafsir, ça vient expliquer le Coran. Sourate 22, verset 52. Sourate 22, quand verset. Quand tu parles de Sourate, ça veut dire dans le Coran. Non, 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 non. Le tafsir. Ah, il ne faut pas citer une Sourate. Le tafsir, c'est. Parce que dans le tafsir, là, il n'y a pas un chapitre, il n'y a pas un verset là-bas. Non, non. C'est rien que des explications. Non. Donc, vous donnez le verset qu'ils ont expliqué là-bas. Là, moi, je vais lire le verset et je vais aller lire leur explication là. C'est comme ça se passe, non? C'est le verset. Je te donne le verset 22. Chapitre 22, verset 52. Le tafsir de Jalalayn. C'est dans le Coran, alors. C'est dans le Coran. Non? Le tafsir de ce verset-là. Sourate 22, verset 52. Sourate que tu as entendu, c'est dans le Coran. Non? Oui, oui. Maintenant, je vais lire le verset-là. Avant d'aller lire ce qu'ils ont dit sur le verset-là. Non, le tafsir de Jalalayn sur verset 22, 52. On dit que Mohamed. C'est ça parce que on a dit qu'on a expliqué quelque chose. Oh. Donc il faut lire la parole de Dieu là et aller lire l'explication qu'on a donnée sur ce verset là. C'est comme ça que ça se passe, non? Il faut pas sauter le verset et aller lire l'explication. Comment tu peux comprendre? On a dit que tafsir est venu expliquer le Coran. Donc chaque verset a son tafsir ou bien a son explication. Oui. Donc, tu lis le tu vas aller lire l'explication là. C'est comme ça que je pense. Tu ne veux pas sauter le verset sans lire le verset et aller lire l'explication. Comment tu pourras comprendre? Ah, tu peux lire. Ah, c'est ça. Donc, je dis, donc, comme tu as donné le verset, je vais lire le verset d'abord et je vais aller lire le tafsir là pour voir. C'est ça. Ouais, ouais. Ah, c'est ça. Donc, quand il y a contrarié, et c'est pour dire la révélation, c'est ça qui est courant. Il n'y a pas quelqu'un qui a écrit n'importe quoi dedans. Tout est révélation. Ce que toi tu dis là, c'est les explications des humains sur la révélation. C'est ça qui est absurde. L'explication de Muhammad lui-même, pas les humains. Le tafsir, c'est Muhammad lui-même qui était le plus grand. Il y a quelque chose. Les tafsirs sont encore différents des hadiths. Tu sais ça, non? Oui, oui, je sais ça. Ah, d'accord. Oui. Ah, ok. Les hadiths sont racontés. Et les hadiths sont racontés. Pour terminer là. Jésus-Christ a son Dieu. Tu reviens? Oui, parce qu'il faut conclure. Il ne faut pas parler à l'aide de ne pas conclure. Parce que j'ai compris que Jésus a son Père. Et le Jésus Père à son Père, Dieu dans les cieux. Je t'ai dit que Dieu, il appelle Jésus, Jésus appelle son Père Dieu. Et le Père aussi appelle le Fils Dieu. Je t'ai dit ça. Moi, le premier sens, moi, je parle le premier sens. Parce que je sais que Dieu est dit. Quoi ça? Il appelle son Père Dieu. Et le Père appelle le Fils aussi Dieu. Est-ce que Jésus-Christ a son Père? Hein? Est-ce que Jésus-Christ a son Père dans les cieux là-bas? Mais qu'est-ce que je t'ai répondu? C'est là que j'ai répondu que Jésus-Christ a son Père. C'est là qu'on avait commencé. Je t'ai dit que Jésus appelle, il appelle son Père Dieu. Ah, donc c'est ça que j'ai retenu. Et le Père appelle Jésus. Le Père appelle. Ah, le monsieur a fouillé. Il est parti en fumée. Ah, il a fouillé. C'est comme ça que les messieurs vont en fond.
Ok, Shalom, comme il est parti, nous aussi nous allons partir. Alors, la vidéo, je vais lui envoyer tout de suite.